Voilà, donc il devrait arriver d'ici peu de temps. Voilà. Et bah, que demander de plus? Le son est actif. La manette est là. C'est à la manette que ça joue, oui, c'est à la manette. Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que ça vous paraît correct? Moi, je vais pas dépenser vu que je suis un gros radin. D'accord, Polo? Salut, Neruda Monster. Comment vas-tu? C'est où qu'on dépense des points? Dans le défi communautaire, Mister Kikou? Il y a une icône du coup? Non, c'est l'icône par défaut. Du coup, c'est pas une icône que j'ai mise moi-même. Je suis désolé, ça fonctionnait pas et j'avais pas le temps. Ah, la musique s'est pas arrêtée. Attendez, je mets pause à la musique. Voilà, allez sur pause. Parfait. Donc, Majora's Mask. On va faire un petit récap de notre inventaire pour voir ce qu'on avait. Alors, on a trois des masques primordiaux. Je sais pas comment on pourrait les appeler ces masques-là, mais c'est les masques qui nous permettent de nous transformer. Les autres masques, ils ont un effet, mais ils nous transforment pas. Bah, quoique si, celui-là, il nous transforme. Celui-là. Oui, bah, c'est normal. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ils sont là, les masques primordiaux. Ils sont là, les trois. Et quand on a un masque primordial, enfin, je sais pas si moi je les appelle primordiaux, mais c'est peut-être pas ça. On a aussi les... On débloque des espèces de gens... Ah, mais en final, je crois que j'ai pas compris l'histoire. Parce que ces trucs-là, je sais pas ce que c'est. C'est des dieux? C'est des gens qu'on voit à la fin dans la cinématique et ils disent des trucs. Je sais plus trop ce qu'ils disent, mais ils disent des trucs. What's up, F? Salut, Link Maxime. Ça va et toi? C'est bien fait en vrai. Qu'est-ce qui est bien fait? Ça marche. Sa démarche me fera toujours. La démarche de qui te fait rire, Frelon? C'est les masques des boss vaincus. Ah, c'est les boss! D'accord. Ok, donc on a tué un boss qui était comme ça, je m'en rappelais plus. Celui-ci, il me dit quelque chose, c'était le truc qui courait très vite. Et. Ah non, c'était ça qui courait vite. Et ça, c'était le poisson. Ça, c'est celui qui aurait vite, c'était le poisson. On a 12 sur 20. On a la moitié des masques. Donc, c'est-à-dire que on a beaucoup de quêtes secondaires à faire, mais on a déjà quand même la moitié des masques, qui est pas mal. Ça, ah, c'est le... On a le bouclier de lumière. C'est le dernier truc qu'on a débloqué, je crois. Du bouclier de lumière, donc faut qu'on apprenne un peu à l'utiliser, mais pour l'instant, ça nous permet d'ouvrir des passages. Mais je pense que ça va peut-être permettre de faire autre chose. L'épée, c'est notre épée qu'on a un peu cheatée et qui reste jusqu'à la fin. On a 2 sur 4 réceptacles de cœur, donc pour avoir un cœur en plus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cœurs. Donc, on va peut-être avoir notre 10e cœur aujourd'hui, ça serait pas mal. On a le sac de bombes, les flèches. On est vestige du château d'Ikana. Et il est midi, on est le 3e jour. Donc va falloir qu'on fasse un coming back dans le passé. Et donc on va faire ça avant de faire le prochain donjon. Et dans tous les cas, je pense qu'on peut y aller. On s'appelle Exelo. Commencez. Alors. Ok. Ok, ok. Et bah... Il nous faudrait un TP en fait. Il nous faudrait un téléporteur. On a 5 minutes pour trouver un téléporteur. Putain, ça commence vénère. Le bouclier, comment on l'utilise? Ah, on n'a pas de lumière. Je ne peux pas le voir, mais je sens comme une sorte d'appel du sang, une présence étrange. Je crois que tu as un masque qui permet... Non mais ça, je m'en fous de ces trucs-là, je veux pas les faire maintenant. À votre avis, comme on est dans la merde là. Alors comment on va faire? Il y a pas de lumière ici. Il faut faire un champ peut-être pour avoir la lumière. Ou peut-être ça déjà. Ok, on a coupé un œil, on a ouvert une porte. Mais c'est un donjon à moitié. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous pensez qu'on a ça en 5 minutes, on va pouvoir y arriver à le finir? Ça fait quoi ça? On prend la peste. La peste mojo. Ça, on est à fond dedans là. Le fait d'avoir un timer là, ça me chauffe. Enfin, ça me chauffe. Ok. On va se mettre en goron peut-être. Non, peut-être pas, il y a peut-être pas besoin d'être en goron, juste pas en peste. Ok. Non. Parfait. Ok. Ça c'est bon, on reprend ça. On va où? Par là? On essaye par là déjà. Oh, l'araignée. Elle va nous saouler, elle. Merde.
Il n'y a pas d'autres araignées qui traînent? Si, il y en a d'autres. On va les tuer déjà. Ça, on peut les faire tomber ou pas? Apparemment, non. Bon, on reprend le mojo et on va de l'autre côté. Ah, il y a un truc là-bas. On va aller directement tout au bout. Oh yeah! Ça, ça donne quoi? Ça donne un passage? Non, ça ouvre la porte. Ok, la porte est ouverte. Alors, comment on se barre d'ici? Par contre, il nous faudrait le grappin. On a le grappin, je crois, dans la poche. Le grappin, on va l'utiliser à la place de ça. Et on pourrait viser, genre... Je sais pas. Merde, on est bloqué ici, là. Comment on va faire? Il y a bien un truc à faire. C'est quoi ce délire? Bon, on va essayer une roulade. Ah, il y a moyen avec une roulade. Il y a moyen, je pense. Ah, quoique, on est revenu là. Nickel. Bah, on a juste à aller... Attendez, ça a débloqué... Ah non, le truc est fermé. Attendez, si je fais ça... Oh, il passe pas le saut. Yes. Ok. Moi, je pense qu'on triche là, mais tant pis. Hein. On est juste des tricheurs. Ah, raté. Il y a moyen de le caler. Il y a moyen de le caler, mais vraiment bien. Ok, on l'ouvre. Voilà, c'est bon. Ensuite, mojo, et on se barre. On va direct tout droit. Hein. Ça passe. On va aller là d'abord. Là, le temps passe tellement vite. Parfait. Exactement ce qu'on voulait. Arrête, arrête. Link. Voilà. Ok, des flèches. On est full flèche à 100. On est maudit, ok. Je ne peux pas le voir, mais ok, on s'en fout de l'appel du sang. Je sais pas comment on va pouvoir les faire, les appels du sang. On va pas prendre ça maintenant. Et nous, ce qu'on faut qu'on aille à la sortie de ce truc. Mais on trouvera jamais la sortie si rapidement, en vrai. C'est la mort pour nous. En 3 minutes, jamais on finit le jeu. Allez, c'est chiant ce truc-là. Oh, il y a un papier. C'est un avion en papier. Oh. Il y a trop de trucs. Vous pensez qu'il a fait la galipette, là? Ah, raté. Oh la vache, on n'est pas genre dans la merde, là. On est revenu, c'est la espèce de base. Tout ce qu'on a fait, c'est annulé, du coup. Oups. Ah merde, on n'a pas le masque de momie. Non, c'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut de la lumière. Faut qu'on active la lumière dans le temple. Allez, casse-toi. Ah non, faut tout refaire. C'est de la merde, ce temple. Ok. Ok. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, si, c'est pas grave. Ça va le faire quand même. Merde, hop là. Ok. On se place bien là. Galipette. Yes. Oh, raté. On refait. Oh, c'est chiant. Oh. Il est quelle heure là? Deux. Il reste 2 minutes. Hein. C'est impossible. Ok.
Ah ça c'est c'est marrant, il y a les portes elles se sont remises, mais genre les trucs là comme ça ils ont disparu. C'est quand même bizarre. Bon ici, qu'est-ce qu'on fait? Là on les tue. Bon on les esquive, hein. On n'a pas besoin d'eux. Non non c'est pas le donjon, je sais pas ce que c'est. Je sais pas où on est en fait. Là on est dehors. Il faudrait qu'on aille de l'autre côté. Donc on va aller de l'autre côté. Ah mais ça, on peut l'activer ça peut-être. Ok. Parfait. Et donc on va utiliser la peste. Merde. Oh le bâtard. Bon on va... Bah du coup c'est mort. Là par contre c'est complètement mort. Et bah... On recharge. Parce que ce qui m'emmerde, c'est que du coup il y a Samus qui nous a spoil le fait qu'on peut revenir avec l'arc de, avec le bouclier de lumière. Donc du coup, et bah tout le truc qu'on aurait pu s'amuser à essayer de le faire le plus rapidement possible, bah ça tombe à l'eau parce que ça sert à rien étant donné qu'on peut y retourner. Mais j'ai quand même envie de le faire. Du coup, on oublie totalement le spoil de Samus et on remonte pas dans le temps. Et on part du principe qu'on n'est pas capable de revenir ici en 2 secondes. Et que du coup, on recommence jusqu'à ce qu'on y arrive. On va faire ça comme ça. Du coup, je relance le jeu. Et je vous invite à ne pas spoil parce que c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et bah, en gros, Polo, on remonte le jeu, on remonte dans le temps à chaque fois. Et quand on remonte dans le temps, en gros, on perd pas mal de choses, mais on perd pas tout. Il y a certains objets qu'on garde, genre les items. Les items, genre l'arc. Si tu débloques l'arc, tu le gardes, même quand tu reviens dans le temps. Et c'est pour ça qu'en gros, bah, tu peux aller dans des zones dans lesquelles t'es pas allé déjà. Et du coup, le but du jeu, c'est de revenir dans le temps à chaque fois. Bon, allez, là, on a 5 minutes pour le faire. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, mais on va essayer de le faire. Ah. Et l'autre, il n'y en avait pas une autre? Bah si, il y en a deux en fait. On fait l'autre côté là. Le bâtard. Ah le bâtard. Bon, ça, on n'a pas de lumière. On peut pas faire. Bon, on peut pas faire ça. Ou alors je sais pas comment on fait. On va aller de l'autre côté du coup. Ah, elle repop, elle. Elle redonne des rubis encore. Ah si elle redonne des rubis, moi je les prends, hein, carrément. C'est une source de rubis infinie en fait ce truc. Si on veut devenir riche, on fait ça. Salut Nino. Bonne soirée. Salut à tous ceux qui s'en vont. Hop là, inventaire. On passe au masque mojo. Là. Ok. Allez. Hop là, de l'autre côté. Ok. Je retape dedans, je suis con. Hop là. Ensuite, là on fait une galipette ici là. Raté. C'est quand même assez précis quand même comme ça. Ok. Ensuite. Yeah.
Hop là. Merci Yare Yare. Merci beaucoup d'avoir répondu. Hop là, nickel. On triche comme des porcs. Hein. On est maudit. Voilà. Alors. On va récupérer le réceptacle. Est-ce qu'on a le temps? On est tellement large niveau timing qu'on se dit bah on va choper un réceptacle. Allez. Mais putain! Mais quel merdier ce truc de merde là! Mais nique ta race! Bon bah on recommence hein. Non. Hop là. Et bah tant mieux Neruda. Tu peux nous donner des conseils, enfin des conseils, des idées si t'en as. Tous ceux qui n'ont pas fait le jeu, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Tous ceux qui ont déjà fait le jeu, vous pouvez garder vos backseats pour vous. Oh merde. Zut 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 zut. Ok. Ok. Mais putain, on est mort. Non, on n'est pas mort. Il nous reste encore un cœur et demi, ça va. Ok. Allez, juste, on faut viser là. Ici, là. Ouh. Allez, allez. 3 minutes 30, on va voir jusqu'où on peut arriver. Bon, vu qu'on a, on a perdu du temps, on va pas aller se faire le réceptacle. On verra plus tard. On a plus du tout le temps pour faire ce genre de bêtises. On va aller à gauche. Mais on peut pas aller là. Non. Du coup, peut-être qu'on va grimper. On va grimper encore. Faudrait qu'on bute les oiseaux parce qu'ils vont nous saouler en vrai. Il est pas mort. Genre. Ah putain mais... Ça l'enculé de ta race. Y'a pas de lumière ici. Il faudrait qu'on aille où en fait. Parce que si on arrive là, ça nous permet d'aller faire quoi en fait. Mais casse-toi. Bon, 2 minutes 30. Bon, on retente. Hein. De toute façon, on a que ça à faire. Voilà, de la vie. Allez. Ben, c'est chiant qu'il faut refaire l'énigme à chaque fois. Qu'il faille. J'ai jamais pu réussir le jeu parce que j'y comprends rien. Tu comprends rien? Et j'avais peur quand j'étais petit. Et t'as pas eu l'envie de le finir quand même? T'as pas envie de surpasser tes peurs et surpasser tes... les choses dont tu n'arrives pas à faire? C'est frustrant quand même de te voir tourner en rond quand on connaît la solution. Bah oui. Bah si ça te plaît pas, va-t'en en vrai. Hein. Passe pas un mauvais moment ici. Hein. Vaut mieux que tu t'en ailles plutôt que tu spoil. Hein. Je te le dis tout de suite. Ah! Moi je découvre le jeu. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà ça. Y'a pas de cœur. Allez. Salut Samuel Wenard, ça va et toi? On est toujours maudits ici. Voilà les oiseaux, va falloir qu'on les déboîte. Hein. Ils m'énervent.
Il y avait quoi dans cette pièce là en fait? Elle servait à quoi? Pourquoi ils ont fait une pièce qui sert à rien? Attendez, je comprends pas là, le concept. Non, c'est juste une pièce de transition. C'est bizarre. Bon, les oiseaux sont où là? Pourquoi on les voit pas? Là-bas, lui. On va encore se reprendre un par... Vous avez été maudits, ok? On va passer par là. Ok. Par là, on peut pas y aller. Hein. Putain, mais comment on va faire? Faudrait qu'on aille... Je sais même pas où, en fait, où faut aller. Là, si on descend... Ah, ok, il y a une peste. On va essayer la peste. Ah, d'accord, on va essayer la peste pour aller là-bas. Peut-être que ça ouvre la porte, en vrai. Si ça ouvre la porte, ce serait trop bien, mais ça m'étonnerait. C'est où? Il y a de la lumière dans le centre du temple. C'est parfait, on y retourne. On y retourne, on y retourne. Bah allez, on passe par là. Non, c'est pas cette lumière là. Mais putain, c'est où? À droite, à droite. C'est forcément à droite. C'est là? C'est là. On a tellement le temps qu'on a, on a le temps de récupérer les rubis. Bon, on vise? Comment on vise? Non, non, jette pas des trucs comme ça! C'est quoi? Alors, comment on vise? Ok. Une porte en plus. Une minute. Oh, il y a un boss. Un magicien. Bon, lui, on peut le déboîter. Hein. Ok. Mais sérieux? Mais sérieux? On va crever. Mais putain! On va prendre son âme. Il nous reste combien de secondes là? Salut Atalian, comment vas-tu? 8 secondes! Bah c'est mort. Bon. Douze secondes, c'est large le temps pour aller à la banque. Et pour rentrer. Bon, on va vous faire confiance du coup, enfin merci le spoil, merci les spoilers. On va revenir grâce à un truc, un passage secret, machin, je sais pas quoi. T'es fatigué et toi? Bah moi ça va nickel, ça va bien. Alors, un peu fatigué aussi. Mais bon, après un week-end, normalement on n'est pas censé être fatigué. Déposer des rubis. 500. 1500. Tu as dépensé plus de 1000. Je vais te donner ta récompense de fidélité. Ok. Bon,
Ok. Le chant du temps. Y a des gens qui ont spoilé, ouais, ils ont dit que bah on n'était pas obligé de prendre d'aller très très vite parce qu'on peut retourner dans la zone en une seconde. Voilà, ils ont spoilé ça. Et du coup, bah voilà, c'est hyper marrant, hyper fun. Est-ce que je suis le seul à tester les caméras qui bougent lentement sur les jeux vidéo? Dans Zelda, ça dépend comment tu la gères, la caméra. Mais souvent dans les jeux vidéo, tu peux gérer la sensibilité. Bon. Bon, ça c'est fait. Hop du premier jour. On sauvegarde pas. Parce que ça se trouve, c'était de la connerie, ce que nous a dit Samus. Du coup, on se re-TP. TP. Tout. Direction. À droite. Ikana. C'est ça, hein. Ouais. Et du coup, je sais même pas où on est en fait. On était dans le château d'Ikana, je crois. Donc comment est-ce qu'on pourrait être dans le château d'Ikana? Je n'ai aucune idée. Voilà, le week-end m'a mis en forme. Mais j'ai beaucoup voyagé aujourd'hui. Et la voiture, ça fatigue. Ouais. Ouais, quand tu voyages, ça fatigue. Mais bah, j'espère que tu vas bien te reposer. T'es en vacances du coup, non? Cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas où aller en fait. Vous pensez que c'est là le temple? Ça ressemble à un temple. Ah, et la porte, elle est là. Nickel. Donc on va peut-être pouvoir passer par là. Ouais, je pense que c'est ça. Vestige du château d'Ikana. On tape là. Et du coup, on éclaire là. Bon, ça a été simple. Les vacances, la chance. La chance. Moi, c'est les vacances pour... Ouais, c'est pour les jeunes. Tu sais que tout le monde n'a pas les vacances en même temps que toi. Tout le monde n'est pas français, j'ai des bugs de quoi. Les jeunes. Alors. Bon, on peut sauvegarder. Hein. On a tout notre... Ah, attendez! J'ai bouillé de faire le champ du temps. À l'envers, enfin au ralenti. Ah, arrêtez! Hop. Salut Jokovic, comment vas-tu? Je t'ai pas... T'es arrivé, au moins... Bienvenue à toi Yoko. Y a Binks qui nous dit hello, bonjour Binks. Pour les écoliers, il voulait dire, je pense. Bah, peu importe. Les Suisses, je suis pas sûr qu'ils sont en vacances là. Les Belges, je suis pas sûr non plus. Et encore moins les Canadiens, les Québécois. Bon, bah toi... Voilà. J'avoue, Yoko, je l'ai rebanni derrière. T'as tes traits de bolos, ce connard. Personne n'insulte les modos ici, hein. Je vous préviens. Super! On n'a pas de flèche. Non, à partir de vendredi, les Belges. Sauf que là, on est en virtuel pour l'école. Oh, stylé! École virtuelle. Vous avez de la chance. Moi, j'aurais trop kiffé ne pas aller à l'école et quand même apprendre des trucs. Ou rien apprendre. Pour l'école, c'est pas le peu qu'on apprend. Si, on apprend plein de trucs, c'est cool. C'est cool, l'école. Mais c'est abusé niveau thune, on a déjà 66 rubis. On a déjà 100 rubis. On a trouvé un cheat code. Si un jour on veut devenir riche, on farm ici. Hein. Allez, on recommence tout. Ta-ta-ta-ta-ta. C'est bien parce que maintenant on le connaît bien cette zone. Je confirme, c'est trop de pas avoir... Quoi? Attends. C'est trop de pas avoir... C'est trop bien de pas avoir à sortir pour avoir cours. Bah ouais. Moi, j'aime bien ne pas avoir à sortir pour aller au travail. Déjà, ça m'évite d'avoir à aller dans les transports et tout.
ça me permet de travailler plus pour m'amuser plus, parce que mon travail c'est de l'amusement. Pourquoi je retape dans les trucs qui servent à rien? Les métiers passion, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu m'as donné envie de jouer à Zelda. Et bah, je suis content que ça te donne envie, hein. Mais non, je suis pas content, parce que après tu vas quitter le live et tu vas préférer jouer plutôt que de regarder. Et ça m'embête. Bon là, je vous avoue, on triche, hein. Normalement, on est censé faire je sais pas quoi, mais vu que je sais pas ce qu'il faut faire, c'est la seule technique que j'ai trouvée, et bah on le fait comme ça. Voilà. On va tuer ça, parce qu'elle est chiante. On remet ça. Hors de question. Oh, hors de question, bah tant mieux. Hop là. Oh, une fée, deux fées. Nickel. Bah trois fées, bah une fée en plus. Nickel. Allez, on se met bien ici là. On squeak. Yeah, ça c'est du skill. Le skill est l'état pur. Il faut un max de viewers. Ouais. Un maximum de viewers. Vu qu'on est chez soi, on n'a pas envie de faire autre chose que de travailler. Ça veut rien dire ça, j'ai des bugs de co. Justement, il y a plein de gens qui, quand ils sont chez eux, ils peuvent pas travailler. J'ai des potes, ils sont obligés d'aller à la bibliothèque par exemple pour travailler à l'école. Et tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Peut-être le grappin, ça peut être utile pour défoncer les trucs. Ok, ça c'est bon. Oh, il est où l'oiseau? Y'a pas un oiseau là qui fait chier? Y'a pas d'oiseau? Non, on peut y aller du coup s'il y a pas d'oiseau. J'y vais sans... Ah, putain d'oiseau qui nous a fait un méga saut en plus. C'est bon là, y'en a plus. Et pourquoi on les entend si on a pas? Ils sont où? Quack quack quack. Mais ils repop en fait. Je rêve ou ils repop? Allez, on le bute. Je veux plus le voir lui. Lui aussi là. Ils sont partout. C'est bon? On peut y aller? On peut jouer tranquille? Mais encore! Ils repop ces enfoirés. Bon, dernière flèche, on l'a mis pour ça. Et on y va. Mais sérieux? Il fallait être en Link normal pour faire ce saut de merde. Mais vas-y, mais c'est vraiment de la grosse chiocos. Hop là. Hop là. Ah, j'ai pas mis dans le titre. C'est parce que je l'ai pas mis dans le titre. Spoil slash backseat égale ban. Et ceux qui savent pas ce qu'est du backseat, bah, je vous invite à utiliser Google. Google, tout simplement. Hop là. Alors, on va peut-être utiliser... Non, je suis pétrificus. Arrête. Ok. Voilà. Allez, de la vie, des cœurs. On a eu tellement plein de cœurs. Ah, pas plein de cœurs, de vue tellement riche. Riche en oseille. Par contre, on a zéro flèche, il va falloir qu'on trouve des flèches. Les pots, j'espère qu'ils vont nous enfiler. Ah, peut-être qu'on fasse une commande pour expliquer ce qu'est le backseat. Je sais pas. Voilà, le backseat, c'est me dire comment jouer. C'est détruire l'expérience du jeu d'un joueur. Si tu veux une autre façon de l'expliquer. Elles me font toujours peur les momies. Ah ouais, moi pas du tout. Mais après c'est parce que j'ai pas fait le jeu quand j'étais petit. Moi c'est le bouclier qui me fait peur. Le bouclier qu'on a dans notre dos. Yes. Bonne douche, Olitom. Oh, j'ai oublié de sauter. Ah, j'ai oublié de rouler. Ah. Bah merde, j'arrive plus.
On va perdre trop de vie là. Les ? Moi je trouve pas les, moi je trouve qu'il fait juste peur. Pas gentil. Putain mais c'est nul ! Allez, on se replace. Voilà. C'est A ou B ? Je sais plus, la roulette c'est A ou B ? Bon, on va dire que c'est A. Allez. Allez, j'arrive pas à bien viser. Voilà, c'est bon. On y est, enfin. Bon, j'espère qu'on va choper des flèches, parce que si on n'a pas de flèches, je crois qu'on peut pas y arriver. Si, on peut y arriver sans flèches. Par contre, on pourra pas avoir le réceptacle. Il va nous falloir des flèches. Et on n'a pas de flèches, super. Comment on va faire pour en avoir ? C'est chiant, moi je veux le réceptacle par contre. Pourquoi on a raté ? Ah oui, on a raté parce que le saut que j'ai fait avec... le saut, il a pas suffi pour arriver jusque... Ah, peut-être qu'on peut encore avoir des flèches ici. Non. Non plus. Noix mojo. Noix mojo, par contre, je pense qu'on peut la lancer. Ah, mais si, on va faire une bulle. Une bubule. On va faire de la magie. On est des magiciens. Ah, mais les piafs, ils vont nous saouler. Ils sont où ? Yes. Oh là 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 là, il m'a fait peur ce Link. Allez, on a tué un piaf. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, Link. Tu peux le faire. Ok. Bon, un fragment de cœur. Ouf. Maintenant, bah du coup, bah, on est bloqué. Enfin, on est bloqué. On peut pas se barrer. On va descendre. Vous savez comment ça se dit abyss en créole haïtien ? Ça s'écrit Gotou s'en fout. Et je vois... Ça te sert à quoi de nous dire ça, Polo ? Si t'as rien à dire, dis rien, en vrai. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais en vrai... C'est pas marrant. C'est pas marrant du tout. Et salut Rivality Coco, comment vas-tu ? Hop là. On va... Faut vraiment qu'on trouve des flèches parce qu'au final on est bloqué pour la porte de droite là. Il y a vraiment pas de flèches ? Pourquoi ? Et... bon, j'ai hâte qu'on s'en sorte, hein. Ça commence à être un poil chiant. Ce donjon-là, ça fait 10 fois qu'on y passe sur cette pièce. Allez ! Voilà. Allez ! Ok. Ok, on recommence toujours cette salle. Encore et toujours. Voilà. Salut Geek D ! Je vais manger, je reviens. Et bah salut Mister Kiku, bon appétit à toi. Hop. Voilà. Ok. Allez. Ouais, le pharmatu, on est déjà à 275 rubis, c'est abusé hein. Faudrait que je fasse un tuto argent Majora's Mask. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres techniques encore mieux. Mais celle-ci elle est quand même abusée. Oh, on les a one shot. Ils ont loot des flèches, non? Non, ils lootent que des cœurs. Bah ça va être... C'est un peu la merde hein, sans flèches. On est un petit peu dans la mouise. Alors... Là, il n'y a rien. Ok.
On va peut-être se mettre en link normal. Non. Non ! Ouf, j'ai eu peur ! À votre avis, elle sert à quoi, là ? La fleur mojo, juste à droite, là. Bon, je sais pas. Ok, donc ça, on a débloqué la lumière. On va pouvoir aller là-bas. Alors, juste... Bah, il nous faut des flèches. Il faut qu'on va se balader. Pour choper des flèches. Ah, par là. Non, ça, c'est l'entrée. Bah, je pense qu'on va devoir aller... Bon, on va pas en acheter, on va en looter, hein, ça va être plus simple. Hein. On va taper des trucs. On va bien en trouver. On va prendre le masque des momies. Hop, voilà. On va tuer des momies, peut-être qu'ils te donnent des flèches, je sais pas. Ah, elles meurent pas. C'est des momies qui meurent pas. Attends. Ah, c'est des... Amène-les, ceux du dedans, nos amis, amène-les. D'accord. Et ils veulent qu'on les... Ouais, c'est pas hyper ouf. Là, il y aura pas de flèche, je pense pas. Je sais plus ce que c'est ici, on va essayer. Ça me fait toujours... Ça me fait peur le bruit quand Link met un masque. Ah bon? Attends. Ce bruit-là, là? Ok. Ouais, parce qu'il hurle un peu. Ouais, on est jamais... Si, on est déjà venu là, il y avait un mec... Ah bah oui! Il va revenir, il va nous dire on va te tuer, il va falloir qu'on fasse le chant de... De l'apaisement... Non, pas de l'apaisement, un autre chant. Viens chercher un royaume d'Ikana. Allez, on s'en fout de toi. Peut-être qu'il... On va pas avoir des flèches ici, hein, je pense pas. Eh bah bienvenue Exelo et merci pour ton sub Prime, 4e mois d'abonnement. T'es le boss, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Et bah merci Exelo. 4 mois, ça veut dire que ça fait 4 mois que je stream. T'es là depuis le début. Attends, 4 mois ça représente quoi? Genre... Est-ce que t'as sub dès le premier? Ça m'intrigue ça. 4 mois ça voudrait dire qu'on est au mois de... Octobre, on est le 26 octobre. 26 septembre. Septembre, t'as fait tout le mois d'octobre, t'as fait tout le mois de septembre, t'as fait tout le mois d'août, t'as fait tout le mois de juillet. Ça fait depuis le 26 juillet. Ou non, depuis le 26 juillet. Je sais pas. Depuis juin. C'est abusé. Ça fait 4 mois. Et bah merci beaucoup Exelo. Putain, ça me fait j'ai pas l'impression que ça fait 4 mois qu'on a commencé à stream. Et bah si, ça passe tellement vite. Au final, ça me rend un peu triste parce qu'on progresse pas de ouf, hein. Et il va falloir que je fasse des trucs pour progresser encore plus. J'ai commencé à te suivre environ vers le milieu de ton let's play sur Origami King. Ah bah c'était au début, Samus, ça, Origami King. Pourquoi t'étais dans les débuts, dans les first? Mais on s'en fout, toi. C'est quoi comme chant? Il fallait faire le chant de... Alors, et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça en fait? On débloque quoi? Non, ce n'est pas possible cette chanson. Cette chanson, c'est de la merde! Ah, je déteste! Je me meurs! Voilà, il est mort parce qu'il a entendu une chanson qu'il aimait pas. Le 24 juillet. Attends, 24 juillet. Oh. Ah oui, je sais qu'il y avait rien ici. On avait essayé de loot, il y avait rien du tout. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'il y avait ce moment-là. Ah, pour une cinématique? Ah si, pour débloquer l'eau. Et donc remonter le niveau. Et donc faire marcher ça. Et donc qu'est-ce qui va se passer après? Les momies se barrent. Je suis arrivé quand Freestorm t'avait demandé de venir stream sur Polyphane. Eh oui, mais oui. Mais du coup... Ah, du coup, c'était déjà pas mal de temps après. Après que j'avais commencé à streamer, je crois Polyphane, j'avais pas fait au tout début. Ah, ça fait tellement longtemps. 4 mois que t'es sub. Bon...
Faut qu'on y retourne sur Palifène. Ça avance ou pas? Vous jouez encore pas mal? Vous avez prévu des trucs? Parce que on avait prévu des trucs vachement ambitieux la dernière fois qu'on était venu. Faudrait qu'on se réchauffe à faire un petit truc sur Minecraft. Minecraft! Bon. C'est marrant. C'est pas ouf comme cinématique. Elle meurt quoi? Non, elle meurt pas, elle danse. Non, elle meurt. Ah. Alors Freestorm a entendu Minecraft, il dit ouais! Pourquoi pas? Alors qu'il est hyper content. Oh. Super. Bon, y'a rien à loot. Hein. Faudrait que je lise le dialogue en fait. Si tu ne crains vraiment pas les morts, tu dois aller dans le temple du royaume pour trancher le lien maléfique qui unit au monde des vivants. Ça, va falloir qu'on aille trancher ça. On va aller trancher ce lien maléfique. Pour faire cela, va voir le roi d'Ikana. Lui seul connaît le moyen d'accéder à ce temple. D'accord. Donc il faut qu'on aille au château. Donc voilà ce qu'on va faire au château, c'est qu'on va essayer de trouver le roi. Le roi, il doit être dans la salle du roi, je pense. Donc la salle du milieu. Concrètement, souvent les rois, ils aiment bien se mettre au centre des châteaux. Ils sont un peu comme ça. Ils kiffent être au centre des trucs. Hop. On se bat. Alors. Nous, je vous rappelle, on est quand même à la recherche de flèches. Hein. C'est le seul truc qu'on cherche, mais on a masse de thunes. Et j'ai pas envie de me TP. Ça me saoule de me TP, du coup... Ah, peut-être là, on va en choper, non? Non, je suis pas sûr. Dans les maisons, il y a bien des pots. Il n'y a pas de maison ici, ok. Moi, je suis arrivé vers les tournois SSBU et Origami. Là, c'était un jeu, mais on l'avait réussi le jeu, je crois. Fallait tuer trois sorcières ou 4. Oui, ça, on l'avait déjà fait. Je crois. Hein. Là-bas. C'est un magasin, ça, non? Non, c'est les fées. Laisse tomber. Allez, des flèches! C'est quand même pas... Trop dur à demander ce truc là là. Bon, on y retourne. On avait looté des flèches tout à l'heure dans les pots. On va retourner dans les pots, peut-être qu'il y en aura en vrai. Non, pas par là. Oh yes! Quelle chance. 10 flèches, bon c'est bon. On peut continuer. Enfin. On va reprendre des tunas. Voilà. On va prendre les pots au cas où aussi. Si on retrouve d'autres flèches. On a 347 rubis. C'est abusé. Waouh. Oh. Et comment ça donne des thunes? Bah après on est dans un château. Château, logique qu'il y ait des thunes dans les châteaux, non? Ils sont trop loin, je pense. Bon. On peut leur parler peut-être? Double kill là. 4 coups d'épée pour faire un coup d'attaque aérienne. C'est marrant quand même comment les dégâts ils ont rien à voir. Donc lui on va lui faire des attaques aériennes au final, on va pas s'embêter. Bastien a versé 850 points pour le défi Breath of the Wild sans épée. Ouais, il y a le défi. On a fait un nouveau défi communautaire pour ceux qui sont pas au courant. Ah!
Les flèches, y'avait pas une flèche? C'est bon. Là on fait juste une attaque. C'est bon? C'était rapide. Deux coups en fait. Une fois qu'on a la strat, le jeu devient d'une facilité. Enfin, ça change un peu la difficulté du jeu. Ok. Attends, je mets le micro comme ça, c'est peut-être... Le micro c'est mieux comme ça, non? De toute façon, oui, je pense. Alors, on est tout en haut. Là, on va devoir débloquer un nouveau truc, je pense. On va pas sauter dans le trou parce que je pense que ça nous emmène à la salle du dessous. Bah ça, on va mettre une bombe, non? On n'a pas de bombe. On a forcément pas de bombe. Ah, ou on se met en mode Goron. Le Goron, il va péter ça, non? Sans problème. Ça résiste plutôt bien, on dirait, même pas une éraflure. T'as pas quelque chose d'un peu plus sérieux niveau bombe? Oh, sérieusement. Il saoule vraiment, là. Du coup, on va sur la... Ça, on se TP. Non, mais c'est vraiment juste pour nous faire chier, ça. Pourquoi ils ont fait ça? Faut qu'on refasse tout, du coup. Ah non, on a pas besoin de tout refaire. Papa. Let's go. Alors. Cette musique. Je pense qu'on va retourner quand même à la banque, déposer encore plus d'argent parce qu'on est beaucoup trop riche. Et on n'a pas besoin de thunes pour l'instant aussi. On n'a pas besoin de thunes. Ok, on sauvegarde et on rechante. LRA, c'est ça? Non, Erixa. Salut Axios. Salut Axios, comment vas-tu? Direction la vallée d'Ikana. Eh oui, j'ai une question à te poser, Axios. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est bien, Amnesia? J'ai vu que tu le streamais la semaine dernière, ça me chauffe pas mal. Après, moi, je pense que je vais d'abord faire... Il y en avait un qui était gratuit sur Epic Games il y a pas longtemps. Du coup, je compte faire celui-ci d'abord, parce qu'il était gratuit et je l'ai. Et après, je ferai peut-être celui que t'es en train de faire, le tout nouveau, là, qui est sorti il y a 5 jours, je crois. Le seul que j'ai fait, moi, dans Amnesia, c'était The Dark Descent. Non, je crois que c'est ça. Il est très bon. Et bah je pense que je vais me laisser tenter. Que je suis passé assez rapidement sur ton live pour pas me faire spoil parce que j'avais envie d'en profiter. Les jeux d'horreur, j'aime bien ne rien comprendre et débarquer et galérer. Et du coup, il est très bon. Et du coup, combien d'heures de jeu pour l'instant t'as eu toi dessus? Est-ce que tu l'as fini? Alors, moins de 10 heures pour le finir, d'accord. Donc, ouais non. Il faudrait deux lives au moins pour le faire. Donc on verra comment on s'organisera, mais il y aura moyen de le faire. Où en es-tu dans le jeu? Bah on en est là. Hop là. Allez. Hop. Ok, on est trop riche, on est tellement riche.
Hop là. On en est où? On en est au château d'Ikara. Quatrième monde. On peut appeler ça des mondes? Ouais, je pense. Le monde un peu de la mort. Je sais pas trop comment... Oui, le monde de la mort. Je sais pas comment il s'appelle ce monde-là. Mais c'est le village des trucs. Et du coup... On s'approche doucement du quatrième donjon. On risque de rentrer dedans d'ici peu de temps. Et normalement, il va être très très long, ce donjon. Qu'est-ce qu'on est riche? On a déjà 270 rubis. On vient à peine d'arriver. C'est un peu dans la même veine que The Dark Descent, un mélange d'énigmes et dans... d'angoisse. Attends, dénoisant. C'est quoi dénoisant? Parce que moi, The Dark Descent, je l'avais fait, mais il y a longtemps. J'étais assez petit. Je m'en rappelle plus trop. Mais... j'aimerais bien en faire un autre, du coup. Et vu qu'il y en a deux autres, j'aimerais bien faire... Dans le baril. Oh, attendez, on va utiliser ça. Et j'espère que ça va suffire, hein, comme bomba. Oh bah nickel, ça a été rapide. Angoissant, ok. Ouais, c'est ce que je pensais aussi comme mot. Mais je me suis dit peut-être que c'est un autre mot. Bon, c'est bon, ça c'est fait. Hop. Full richesse. Oh oh oh. Bah, je pense qu'on fera ça vendredi du coup. Mais on fera pas celui que t'as fait là, on fera l'autre qui s'appelle... Je sais plus, mais il y en a un autre qui est gratuit, enfin, qui a été offert par Epic Games. À mon avis, c'était pour faire de la pub pour le prochain. Ah, pour le prochain, pour celui qui vient de sortir là. On fera d'abord l'autre, puis... Ou quoique, peut-être sinon... Oui, de toute façon. Il y a l'autre jeu qui est à moitié à la mode là, ou qui réagit en fonction de comment on parle. Euphoria, ou je sais plus trop comment. Et Amphobia, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça a l'air cool, ça me chaufferait aussi de le faire. Bon, on verra. On commence à avoir trop de jeux à faire, ça va être impossible. Ah. Attention. A Machine for Pigs... non, c'était pas ça le nom. Ah si, c'était le nom du Amnesia, c'est possible. Et c'est bien avec Xelo, c'est Phasmophobia. Ça doit être bien ça, Euphoria. Ça doit être Euphoria, ouais. Ça rend heureux. Les ténèbres... Attendez, on se concentre sur la cinématique. Les ténèbres... Attendez, je mets une voix dark. Oh bah, ouvre grand tes yeux. J'ai pas le temps de lire. Je vais te montrer ce que sont les véritables ténèbres. Ok. Ok, on a le bouclier de lumière. Oh la vache, l'attaque qu'on leur a mis là. Alors faut qu'on les brûle, non? C'est ça? Vu qu'ils nous ont filé des flèches, il y a forcément un lien avec les flèches et ça. Je sais pas, on va tester. Cette... Non. Ah, le bâtard. Attends, faut qu'on réfléchisse deux secondes. On va devoir les brûler, mais il n'y a pas de lumière. Ah, faut qu'on brûle ça là-haut. Ok. Ok. Oh! Tu as mis du soleil dans l'obscurité! Phasmophobia, ce serait pas mal à faire à plusieurs. Ah, en plus, ça peut se faire à plusieurs? Bah, pour tous ceux qui ont vu des lives, peut-être de... Comment ça s'appelle? De Wonky, je crois que Wonky, ils y ont joué. Et bah, n'hésitez pas à nous dire... À 4 max, bah, on fonce, on fait ça à 4. Hein. Moi, ça me chauffe carrément. Mais peut-être pas cette semaine. Peut-être pas la semaine prochaine. Ou quoi que si, on fonce sinon. Moi, je sais pas. La semaine prochaine, j'essaie de caler un créneau la semaine prochaine. Ça vous irait? Il meurt pas comme ça? Ah, c'est là qu'il faut les tuer en fait, c'est ça? Bon, faut les tuer ici. Est-ce que si j'y vais avec l'arc... Ah, viens là toi. Et ça vaut combien ce jeu, tu sais?
Tu viens me battre? Tu viens de battre? On va se mettre là, non? C'est bon, t'es mort? Crève! Ah, c'est bon, il crève. Nickel, maintenant le boss, attention! Ouh, gros bouclier! 12 euros, bah tranquille, 12 euros ça va. Et en ce moment, j'ai trop de jeux à acheter en fait, c'est un peu. Oula! Merde. Bon, il est mort. Bon, c'était un peu rapide. Bah oui, j'ai pas trop compris. Ah si, c'est pas fini. Attends, c'est quoi? Je vais t'apprendre une chanson maintenant. Tu me gênes, pousse-toi de là, je vais la voir. Ah, moi je te gêne. S'il nous a battus, c'est uniquement à cause de ton incompétence, gros lent, ne m'accuse pas. Gros lent, quelle insulte. Quoi? Répète un peu pour voir, tête d'os. Pff, minable. Ah merde, désolé, j'ai passé. Mais tu vas la fermer? Ah, me regarde pas comme ça. J'étais le meilleur soldat de toute l'armée d'Ikana, moi. Pff, toi, le meilleur soldat de toute l'armée d'Ikana. Toi, alors là, j'en ai marre. C'est vraiment des noobs. Dégaine ton épée, guignol. Hein? J'ai pas de bras. Allez, t'es devenu sourd avec l'âge. Je t'ai dit de dégainer ton épée. Comment ça? Il a pas de dents du bas, lui. Il suffit, bande de crétins osseux. Ah, n'avez-vous donc rien compris? Le royaume a été détruit. Nous ne sommes plus que des ombres. C'est à cause de petites querelles comme celle-ci que nous en sommes arrivés là. Merde. Il va nous dire merci ou pas? Faire confiance à vos frères et pardonner les erreurs. Faire confiance à vos frères et pardonner les erreurs. Ce sont des notions que vos cœurs corrompus ont oubliées. Salut Léo Ben, bonsoir à toi. Ce sont des notions que vos cœurs corrompus ont oubliées. Tout ce chaos est survenu depuis que quelqu'un a ouvert les portes de la forteresse de pierre. La forteresse de pierre, ce serait le truc où on a été au début avec des gros cailloux. Et apparemment, c'était l'entrée du donjon, ça. Et du coup, la forteresse de pierre, c'est ce qui protège le donjon. Et le donjon s'appelle le donjon de... Bah, le temple du... Je sais pas quoi. Toi, le porteur de la lumière qui marche dans les ténèbres, écoute-moi. Je suis Igos d'Ikana, le roi sur le trône du royaume d'Ikana. Donc, c'est lui le roi. Donc, c'est lui qu'on est venu voir à la base. Le maléfice qui a été placé sur nous a été brisé quand tu es arrivé... Avec cette lumière sacrée qui semble t'envelopper. Donc en gros, on les sauve là avec la lumière. Les lumières, ça les tue pas, ça les libère, je pense. Si tu veux ramener l'ordre dans ce royaume, tu vas devoir sceller les portes de la forêt de pierre. Donc en gros, il va falloir fermer la porte. Pourquoi? Comment on va faire? Mais cette forteresse est réputée inexpugnable. Même un millier de mes soldats ne suffirait pas pour la prendre de force. D'accord. Voilà une quête qui est bien trop ardue pour un simple aventurier, tout courageux qu'il puisse être. C'est pourquoi... Je vais te donner un soldat. Un frère de combat qui n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Un allié qui ne sera jamais corrompu par les vents ténébreux. Donc il y aura des vents ténébreux. Peut-être qu'on va le contrôler. Si on a le contrôle à un autre personnage, ce serait ouf. Mais je suis pas sûr. Je sais pas trop comment ça va fonctionner. Peut-être pas avec un champ. Ok, c'est avec un champ. Y. Oh, il est compliqué. Ok. Il est cool ce chant. Moi j'en suis pas encore là. En vrai, j'ai même pas Majora's Mask. Tu m'étonnes que tu sois pas encore là si tu as pas le jeu. Évident. Ben Broad Moment. Ah ouais? C'est là où on va. Ah bah ouais. Ok, c'est là. Ah. Il a pas de cœur. Vous avez appris l'hymne du vide. C'est un chant mystique qui permet de créer une coquille semblable à votre image actuelle. Ah, c'est cool. En gros, on va créer des clones pour occuper je ne sais pas quoi.
Jouez cette chanson en portant un des masques qui vous fait changer d'apparence pour créer jusqu'à 4 coquilles vides, une par forme. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le donjon va être incroyablement difficile. Enfin, on sent là, ce qu'ils vont pouvoir nous mettre dans les bottes là. Ce soldat sans cœur est ton exacte réplique, une coquille à ton image qui apparaîtra quand tu joueras cette mélodie. Mais il ne bouge pas. C'est une sorte d'épouvantail. Que sur mon royaume endormi brille la sainte lumière de la justice. Bon. Ouais, il nous ressemble un peu. Il n'a pas la même ceinture. Il a les mêmes bottes. Il a à peu près les mêmes bottes. Et on peut le taper ? Non, on peut pas le taper. Il est un peu plus grand que nous aussi. Ah ouais, il est sur un piédestal. C'est vrai que c'est flippant. Surtout quand tu l'as derrière toi. Hein, quand il est derrière toi, ça fait flipper. Et si on lui met de la lumière dessus, il se passe rien ? Apparemment, non. Ok. Super. Si tu le fixes trop, tu feras des cauchemars, je pense. Hein. Mais non, mais c'est quand il nous suit, peut-être. Si on se retourne et qu'on le voit derrière, genre... Là, genre, en gros, on est en train de se balader dans le donjon, tu vois. Et là, d'un coup, on arrive... Genre, là, là, et là, on se retourne. Oh. Let's go. Gros salutations à tous et surtout à toi, FDGDIS. Tu es sorti du donjon ou pas? Non, bon, on n'est pas encore entré dedans, en fait. Voilà. Bon, attends, et ça vous dit, on va rechercher encore un... Bon, niveau thune, on est presque full. Alors... ça... Bah c'est fait, hein, on se barre. Hein. Et bah direction le donjon, non? Je pense qu'on est prêt. Hein. On va peut-être voir la gamine avant. Non, on va aller lui dire bonjour ou pas la gamine? Est-ce que ça pourrait être utile? Je sais pas. Non, je pense pas, on se barre. Hein. Le donjon, du coup, il est... Le donjon. Le début du donjon... Il serait... Allez, avance, Link. Voilà. On va se mettre en goron. On va gagner du temps. Et du coup... La flippette. Voilà. Ah, ils veulent qu'on y entre en goron en plus ici. Fais pas de plan sur Ben quand il est là, s'il te plaît, je vais faire des cauchemars. Tu vas faire des cauchemars? Pourquoi? Elle se cache quand elle te voit péter derrière, la peureuse. Ouh, la peureuse! Ok. Ah merde. Ah d'accord, ok. Donc ça, on a compris. Ah! Alors, moi j'aimerais bien l'activer pendant que je suis déjà dessus. Arrête de bouger, c'est chiant. Alors attendez, que je réfléchisse 2 secondes. Si je place un clone ici... En fait, je le place comment, le clone? On va essayer de faire un champ. Est-ce qu'on trouve on peut le déplacer? Mais je sais pas comment on va le placer, en fait. Le champ de Lim. Bonjour, je viens découvrir le jeu avec toi. Bah, bienvenue à Ousun, bienvenue à toi. Là, on est quand même... on n'est pas au début du jeu, quoi, mais... Alors, donc ça pop sur notre place, apparemment. Là où on est. On peut le déplacer ou pas, non? Non, bon, on va se mettre là, du coup. Et on le refait. On a tous les champs, là, ça y est? Bon, on les a tous. Moi je connaissais, mais j'ai peur de ce jeu. Ah. C'est marrant que t'aies peur. Mais c'est si, non, c'est pas marrant. Mais je comprends qu'on puisse avoir peur de ce jeu. Bon, ok, donc ça reste appuyé, mais du coup ça nous aide pas. Ça nous aide pas vraiment. Il faudrait qu'on puisse l'activer pendant qu'on... Ah si, là il y a le grappin.
Ok. Lui, on va le buter. Ah, il a deux yeux, c'est ça? Non. Ah, ok. Je sais pas trop ce qu'il faut faire avec lui. Bon, bref. Ce qu'on va faire. On va se mettre là. Là, on va faire un autre champ. Celui-là. Fin surtout de la coquille de Link. La coquille de Link. Ah oui. Oui, parce que les autres, ils font pas peur. Si, ils font peur. Ah oui, ouais, ils font moins peur. Alors, j'aimerais bien le tuer, lui. On peut pas le tuer, en fait, si. C'est bizarre. Bon, bref. On remonte là. Ok. Puis là-haut. Ok. Là, y a pas d'ennemis. Bon, bah, nickel. Hein. Hop là. Bon, ça, au moins, on a réussi ce passage-là. C'était pas très compliqué. Y a un monstre qu'on a pas réussi à tuer. Je pense qu'il y a moyen de le vaincre, mais je sais pas comment on fait. Non, j'ai pas pris le bon masque. Ça va être compliqué, ça. Ils vont nous saouler à devoir changer de masque à chaque fois. Ok. Essaye de lui tirer une flèche dans l'œil. On l'a tiré des flèches dans l'œil déjà, Mister Kiku. Ça suffit pas. Merde, ça a pas marché? What? Il est pas assez gros, lui? Oh, c'est chier. Comme par hasard. Allez, fais pas chier, grimpe. Oh, il faut refaire le champ, du coup. Pour l'enlever. Putain, c'est nul. Alors là, c'est insupportablement relou. Alors, on refait le champ pour l'enlever. Ensuite, on refera le champ pour en remettre un autre. Et salut... Salut à qui? Salut à Hector. Comment vas-tu, Hector? Ok. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, on fait le champ. Tac. Tac, tac. Bonsoir, Ozakar. Comment vas-tu? Comment ça va? En ce beau lundi. Ta semaine, ça commence bien? Attendez, on va se remettre en ligne normale. Ok. Oh. Eh bah, nickel. Ah merde. Ensuite. Eh bah là, on se met en ligne normale, je pense. Hop là. Ok. Mister Kiku dit bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux Zwagar. Bon, c'est bon, ça c'est fait. Apparemment, oui. Ah, attendez. On va prendre. Si, le grappin là. Oh merde. Ok. D'ici, on peut aller où? Là. Alors, bah le prochain. C'est un peu... C'est un peu limite, ces jeux-là. C'est pas ouf. Attendez.
Ça en déplace deux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah sérieux, arrêtez! C'est pas marrant! D'accord, parce que j'ai lancé deux cinématiques en même temps, je crois. Et putain, mais casse pas les couilles! Alors c'est bien? Bah ouais, c'est bien. Sinon on n'y jouerait pas. Alors... Ok, ça c'est bon. Il s'est barré le machin, ça a pas fonctionné. Mais casse-toi, toi! À force de regarder tes lives maintenant, j'ai trop envie de reprendre le speedrun. Ah, tu speedrunnais Majora's Mask, toi? Bah fonce. Retourne-y. Je sens que je vais rater mon année PTDA. Bon, tu peux speedrunner. Et tu sais que c'est en faisant des trucs qui te détendent que tu vas pouvoir te concentrer sur des choses aussi du travail. Hein. Oublie pas que tu travailles mieux quand t'arrives à faire autre chose de ta vie. Hein. Si tu fais que la même chose, déjà tu vas devenir fou. Et puis tu vas peut-être mourir. Ça te permet de voir autre chose. Oui, t'as pas faux. J'ai pas de tort, ouais. Mais après, bon, ça dépend combien de temps que tu passes. Faut quand même que tu passes du temps à taffer, mais... T'es en quelle année? L2? Oh, L2, ça va. De toute façon, dans toutes les années d'études sup, en vrai, tu t'en sors, quoi. Surtout que quand tu fais les trucs qui te plaisent. Faire des trucs. Y'a que quand si ça te plaît pas ce que tu fais et que t'arrives pas parce que c'est dur. C'est dur d'apprendre des trucs qui te plaisent pas. Mais quand t'apprends des trucs qui t'intéressent, en vrai. Bon, vous pensez que ça passe, hein? Non. Ah, c'est pas ça. C'est comme moi, qu'on pense tes semestres. Oui. Oui. Non, fais pas comme Osaka. Hein. Fais pas comme Osaka. Le prends pas comme exemple pour au niveau des études. Pas du tout, évite. Je vise un master et maintenant ils sont ils sont plus sélectifs. Ils ont toujours été assez sélectifs les masters, non? Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah si, faut aller là. Non, bah c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. C'est ça, non? Je sais pas. Ah non? Je comprends rien. On vient d'où? On a activé quoi en fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, la suite c'est là, clairement. Ouais, on vient d'en face, ok. Ah d'accord, il faut remettre les blocs à l'endroit, ok. Oh, c'est relou en vrai. Cette mécanique elle est chiante. C'est juste, ça prend du temps quoi. On va descendre ici et on les renlève. Les masques. J'aimerais bien te voir le faire en une vidéo. F, est-ce que tu as déjà fait une vidéo sur Link to the Past? Non, jamais joué à Link to the Past. Ah mais au final non, c'est peut-être pas ça la solution. Et les blocs ils vont se remettre là, mais ça va pas nous aider. Bon, c'est peut-être pas ça la solution. Oh le bâtard. Comment qu'on pourrait faire? Non mais que je réfléchisse deux secondes peut-être. Ah si, d'accord, j'ai compris. C'est stylé en vrai. Par contre, ça devient stylé d'un coup. Ah! Alors, on prend lequel? On se met là? Je sais pas où est-ce que ça va aller. De toute façon, à mon avis, les trois sont pareils. On va se mettre sur celui-ci. On fait Goron. T'es à quelle fac? Parce que toutes les facs disent la même chose. Ah ah. Oui, c'est vrai que toutes les facs disent ça et au final...
Ouais, ils veulent tous faire peur aux gens. Mais il est à Paris, je crois, Freestorm. Il est sur une fac parisienne, si je me trompe pas. Ok, pourquoi c'est bloqué ici? Bon. Et du coup, on va pas prendre Coron, on va prendre plutôt Zora. Tac, tac. Ah, la Sorbonne. Ouais, tu m'étonnes. F, si tu veux, je t'envoie Link Between Worlds par colis. Par colis? Oh, moi, je vais le télécharger. Non? C'est un bug, ça, on est d'accord. Normalement, il est pas censé aller là, le bloc. Si? Bon, je sais pas. Bon, bref, on reprend Link. Là, ça passe en saut, non? Ah bah non, on va peut-être pas sauter, on va faire comme ça. Voilà. Ce qui nous permet d'aller là aussi. Hop là. Ça va, tu te mets bien sur une Switch à 7 ans. Qui a 7 ans? Je vais me dire, ma première console, c'était la première Nintendo DS, j'avais 8-9 ans. Oh, ma première console, ça devait être une Mega Drive. Enfin, c'est... Oui, la Mega Drive, j'avais 4 ans. Après, j'ai eu la PS1. La PS1, j'ai dû l'avoir à 8-9 ans, je me rappelle, mon père l'avait ramené. Il y avait Spider-Man dessus. C'était trop bien. J'ai saigné Spider-Man sur PS1. Et il y avait Gran Turismo, mon père, il jouait à Gran Turismo. C'était... Enfin, quand, maintenant, si on t'y rejoue, tu vois que c'est naze. Là, les blocs... Il s'empile. Ok, ça fait ça. Et celui-là, il fait quoi? Ok, bah celui-là, on peut le laisser là. Donc, on va faire un champ. Le premier, c'est Link, hein. On s'en souvient. Attendez, il était où le bloc en fait? C'est con, j'aurais dû voir où est-ce qu'il était. Parce que là, si on monte sur le bloc, il nous ramène directement devant le truc, non? Il nous y amène, hein, non? Ouais, je crois bien, on teste. Mais ça me paraît bizarre qu'ils aient mis une énigme alors qu'elle est peut-être trop simple. Moi, bon, une Atari 2600, la pire console des années 80. Ah, je l'ai pas eu. Quand j'avais 4-5 ans, je jouais à la 64 de mon père, mais c'était ma console à moi, quoi. Mais c'était pas... Ah oui, d'accord, ouais. Bon, après... oui, c'est vrai que si t'as pas le droit d'y jouer quand tu veux, c'est un peu différent. Bon, voilà, apparemment, on a fait quelque chose. Bon, vas-y, hein. On rentre là-dedans. Et salut, Sir Zax. Merci pour la luck. De toute façon, là, je pense qu'on va galérer. Hein. Temple de la forteresse de Pierre. Bienvenue dans le dernier donjon, si je me trompe pas. Ça va être galère. Il y a une sauvegarde là-bas. Hop là. Je suis vieux MDR, j'en ai eu énormément. Des consoles? Ou alors t'es riche? Toi t'es vieux. T'es vieux ou riche? on commence par où? On commence par la gauche. Donc l'objectif, on est quand même qu'au premier jour. Ça m'étonnerait qu'on fasse le donjon en une fois. Surtout qu'on a déjà le premier jour de perdu. Oh là là, on va se faire niquer. On a plus de vie en fait. Oulala. Ok, faut appuyer sur les deux, les trois. Ah bon, ok, on sait à peu près ce qu'on va placer. Oh, c'est chiant, c'est chiot. Mais il y a trop de trucs à appuyer. Ah, casse-toi, toi. On n'a pas perdu de vie, j'ai l'impression. Inventaire, on va mettre une bombe, là. Tu es toujours parti pour avoir tous les masques? Bah ouais, c'est un peu l'objectif. Ah, c'est justement Sir Zax qui nous avait donné comme objectif de faire ça. De faire tous les masques avant d'aller tuer Majora. De choper le masque qui nous rend cheaté. Et putain. Bon, ça on va le pousser avec la force des Gorons, je pense. Ou c'est sûr, il n'y a même pas besoin de la force des Gorons, mais... on va le mettre là plutôt. Pour l'instant, il n'y a pas de momie, du coup on s'en fout. Inventer, on va remettre l'arc ici. Et on met les flèches de feu au cas où. Ils vont te bolos. Ouais, c'est des bolos. Alors attendez. Mais attends. Oh. Bon, il va falloir retourner le monde. Et pour le retourner, il va falloir peut-être appuyer sur ce bloc là, non? Il fait quoi ce bloc?
Bon, on va appuyer dessus déjà. Merde. Car il y a des bugs ultra cool quand tu as tous les masques. Et ben, on essaiera de faire des bugs après. Ouais, c'est vraiment sympa de faire all masks. Bah, après, ça me fait un peu peur les quêtes. Parce qu'il y a des quêtes, je vais pas les comprendre. Mais bon, peut-être que le chat... là, on autorisera le spoil pour le chat pour dire... pour pas trop perdre de temps sur toutes ces quêtes-là. Enfin, je sais pas, on verra. Donc, lequel serait les Zora, à votre avis? On s'en fout, c'est les deux mêmes. Bon, on va prendre la Zora. On va voir ce qui va se passer. La quête de Fakei, la plus longue du jeu. Et ben, on fera ça aussi. Le masque cheaté pour défoncer Majora, c'est abusé. Bah ouais, j'aimerais bien. Ouais, quel plaisir aussi de tuer le boss final avec un truc cheaté. J'aime bien cheater, moi. Hop là. Alors, je sais pas ce qui va se passer. Bah non, mais ça, il va rien se passer. On a appuyé sur tous les boutons, il s'est rien passé. Je trouve que c'était pas ça qu'il fallait faire. Bah si, c'est forcément un truc comme ça qu'il faut faire. Bon, qu'est-ce qui nous manque? Ah, voilà, celui-là. Ok. C'est tout. Bon, super. On va avoir des bottes pour aller au plafond, peut-être? Non? Ce serait pas ça comme objet? Bah non, il n'y a pas de bottes pour aller au plafond. Il n'y a pas d'électro... Non, mais non. Je sais pas ce qu'on va avoir pour aller... Ah si, peut-être. Il y a un délire de plafond, là. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais? Inventaire. On a fait Zora. Bah, en mojo. Mais je crois que le mojo, il est pas assez lourd pour pouvoir le faire, si. Oh, il est pas assez lourd. Du coup... il va nous falloir un truc en plus. Peut-être que celui-ci... Non. Ah, ça. Ok. Bon. Ah, c'est cool, on peut le pousser normalement. Mais peut-être en Goron, on est plus rapide. On est peut-être plus fort en Goron. Hop là. Non, on va à la même vitesse en Goron. Bon, du coup, on va se mettre en Zora. Je pense qu'on peut... Vous pensez qu'on peut se pousser en Zora? Attends, c'est bien le Zora qu'on a mis là-bas. Voilà, parfait. Allez. Parfait. Ok. Musica. F a dû être choqué quand il a vu un coffre au plafond. Non, pas forcément. Bon, alors comment tu trouves Majora's Mask pour le moment? Bah, j'adore, c'est trop bien. Ça me fait rager parce que c'est chiant. Et le système temporel, par contre, je trouve trop chiant, mais trop bien aussi. Moi, j'aime bien. Il y a tout ce qu'il faut pour me faire chier, mais j'aime quand même. Et c'est ça que je trouve cool. Par contre, j'ai pas creusé encore beaucoup l'histoire. Les personnages et tout, je l'ai pas encore bien creusé. J'aimerais bien. Bah, avec les quêtes secondaires, peut-être qu'on pourrait le creuser un peu plus. Pour l'instant, on en a pas fait beaucoup. Mais après sinon j'irai voir des vidéos sur internet pour qu'on me l'explique. Ce sera peut-être la façon la plus simple. Mais découvrir par soi-même ça pourrait être sympa. Découvrir un petit peu toute l'histoire. Une bombe. En tout cas j'adore. Ok. Oh cool. On est trop fort. Il est pas mort. C'est bon. Donc ça on va peut-être pas y aller maintenant. Là, il faut une clé. On va... Oh! On va retourner le donjon, en fait. Ça va être trop bien. Alors, il va être compliqué. Hein. Si le donjon, on doit le faire à l'endroit, puis à l'envers, puis on va devoir le remettre à l'endroit, puis on va devoir le refaire à l'envers. Ouh, ça va pas être simple. Oula. Oula. Pourquoi ça lag comme ça? Ok. Ça c'est bon. Qu'est-ce que ça va se... Bon, on peut pas y accéder encore. Il va falloir qu'on soit au plafond en avis pour y accéder. On va pouvoir retourner le donjon quand on veut en fait. Oh, ça va être trop cool. Parce que là, clairement... Bah ça va être l'objet... Attendez, y a pas genre moyen... Bah si, le grappin. Vu que c'est un coffre. Yes.
Pareil, quand j'y ai joué, j'ai dû refaire les mêmes actions tellement de fois que ça m'a saoulé. Mais c'est quand même un de mes jeux préférés. Voilà, c'est ça. Tu recommences, mais bon, bah, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ah, c'est la carte. Une fois que tu l'auras fini, tu pourras lire un peu les théories. C'est vraiment sympa. Il y a plein de problématiques. D'accord. Ouais, c'est ça. Bah, j'irai découvrir tout ça. On découvrira ça en live en plus, parce que tous les gens qui connaissent pas le jeu et qui l'ont suivi avec nous, ils pourront découvrir tout ça en même temps. Ça va être stylé. Alors, par contre, comment on se barre? J'aurais peut-être pas dû tuer les statues. Les statues, ça nous permet de se TP. On est dans la merde là, non? On est obligé de retourner à l'entrée du donjon, vous pensez? Oh. Bon, attends, on essaye quand même. Ah, mais on aurait pu y aller en goron, je suis con. Les gorons, ils marchent dans la lave. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on saura la prochaine fois. Je conseille d'aller faire les quêtes secondaires pour récupérer les nouveaux masques et en plus les personnages. Bah oui, on va faire tous les masques, l'histoire. Bon, on s'en fout de ça. J'aurais peut-être dû y aller autrement que comme ça. Bon, ah, on retombe là en fait. D'accord. Bon bah super. Ça sert à quoi? Ah, peut-être quand il est à l'envers, c'est différent. Attends, s'il est à l'envers, on serait où? Ah, c'est peut-être pour faire passer la lumière. Bon, on verra. Ce qui m'embête, c'est qu'on a chopé la carte, mais ça ne sert à rien. Bah attends, il nous manque un truc, forcément. Parce que de toute façon, les portes sont fermées. Et on n'a pas de clé, on n'a pas de clé. Bon, on y retourne. Ce jeu a les meilleures quêtes secondaires. D'accord. Ah, faut peut-être tous les tuer. C'est forcément un truc du genre. On va essayer. Ça marche pas. On va y aller à la bombe peut-être. Ok. Ok, et Et on a un host de Arkinitiflos. Merci beaucoup Arkini pour ton host. Bienvenue à toi. Merci. Oh. Et bienvenue à vous surtout. De toute façon, je me souviens pas de beaucoup de Solus, le donjon comme dans Breath of the Wild. Attends, merde, j'ai lu un début de message et j'ai lu la fin d'un autre. De toute façon, je me souviens de pas beaucoup de Solus dans ce donjon, donc c'est cool. Et bah, moi je t'avoue aussi, je ne me souviens de rien du tout étant donné que c'est la première fois que je le fais. Par contre, deuxième jour, ça va être limite. Mais oui, bien sûr, on découvre les trucs là. On va choper les items et on découvre le donjon. Une petite clé. Je compte pas le faire en un jour. Hein. On a fait aucun donjon en un jour, ça va pas être le premier. Ça va pas être le dernier donjon qu'on va faire en un jour. Je me doute bien. Bon. Ah, il y a les fées aussi. Alors, Non, c'est pas ça. C'est ça. Ah, on n'a pas de lumière. Luminos! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir aller en Zora là-dessous. Bon bah. Alors. Là, il y a une porte. Il y a une porte. Donc, quand le donjon sera inversé, ça va être n'importe quoi. Ok. Là, il va être inversé. On va pouvoir aller là-haut. J'ai hâte de voir comment ça s'inverse, en fait. On va tout en bas. Là, je pense qu'il n'y a pas trop... Oh! Un coffre? Il va être... Oh, à l'envers. Super. Mais là, ouais. Ça sert à rien de le faire maintenant, ce truc-là.
Mais dans le doute, on le fait. On teste quand même, parce que dans le doute, ça peut peut-être servir à quelque chose. C'est sûrement une fée, ça. Je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre qu'une fée, vu la gueule du coffre. Arrête! Je suis trop nul. Ok. Une noix mojo. Ok, bon. Ça, c'est bon. Enfin, c'est bon. C'est pas deux. Ah, quoique, on peut pas ouvrir les coffres à l'envers. Hein. Ils sont quand même pas... Ils nous ont fait un truc pour nous faire chier. Oui. Ok. Parfait. Super. Là, il faudrait de la lumière ou une flèche? Voici une flèche. Oh, par là. On va aller d'abord ici, je pense. Là, on a déjà été ici, pardon. Je crois, hein. On en vient. Merde. Merde. Attendez, allez, voilà, nager, ok. On remonte. Et on reprend la surface. Ici, il faut une clé. Ok, oh. Est-ce un miroir? Il a l'air étrange. On peut rentrer dedans? Oh d'accord, le monde va être inversé quand on rentre dedans. Non? Bon, attendez, il faut de la lumière. Ah, ou sinon, c'est lui qui ramène la lumière. Et la lumière, faudrait la réfléchir ici. Ah bah c'est bon, on a ça déjà. Inventaire. Non bah j'enlève juste le masque. Non, pas celui-là. Ok. Là on vise ici. Comment on est censé viser en fait? C'est pas simple de viser. Ah si, comme ça. Non mais c'est... Merde. Bon, merde. Ça marche pas? Ça marche pas? Ah, c'est quoi ce bordel? Sérieux, c'est chiant! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, forcément ça pourtant. Ici là? C'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Attendez, c'est forcément ça. Bah... Peut-être si on se met là? Non, bah non, là ça va. Même moi, j'arrive pas à jouer à ce Zelda parce qu'à la notion de temps, je suis pas fan, mais j'adore voir des gens y jouer. Genre, je suis fan de ce jeu sans vouloir y jouer. N'a aucun sens. C'est perturbant, mais au final, bah, vu que le jeu a été fait pour être réalisable comme ça, moi ça me dérange pas. C'était un mod, ça m'aurait saoulé. Mais vu que le jeu est conçu pour être comme ça, il faut apprendre à jouer avec. Bon, on va casser le truc qui est là-haut déjà. Ça se trouve, c'est ça qui nous manque. Qu'est-ce que ça donne? Un coffre au plafond.
c'est un délire ça. C'est pas fait pour du coup. Mais attends, c'est quand même bizarre quand même, c'est forcément ça. Je comprends pas. Allez, et pourquoi ça marche une fois sur deux? Bon, et si on se met genre droit là? Et qu'on fait un champ? Non, on peut pas. Je comprends pas. Bon, on va y visiter un peu, hein. J'ai l'impression qu'il nous manque un truc. On va prendre Zora. Oh, on est déjà Zora. Y'a rien ici. Ah merde! Ah là, y'a un œil. On essaye l'œil qui est là, mais ça m'étonnerait qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Ah, on peut, n'y a pas accès ici. On peut pas le viser. Bon. Pourquoi il vise pas au bon endroit ce truc? Ah bah pourtant il y a bien un trait là. Il y a un putain de trait qui nous dit que c'est comme ça. Du coup je me mets en face de ça. En face du trait. Comme ça. Ça marche pas. Ah ça s'arrête? Non ça continue. C'est bizarre là. Il y a un timer à moitié. C'est débile, l'angle il est pas respecté, ça fait pas du tout comme ça par rapport à l'angle qu'on a pris. C'est de la merde. Qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué du coup. Faut qu'on se barre. Attends, mais c'est n'importe quoi ça! Alors, mais putain, mais pourtant ils nous mettent des vieux traits là qui disent que le trait il va là, puis il va là. Connard. Il y a une vieille bulle sur le miroir, il est pas plat. Si, il est plat. Non, il est pas plat. Il a pas l'air plat. Du coup, si je vise genre... Peut-être que... Alors, on va essayer déjà des trucs. Genre cette merde là. Non. Bon, ensuite, inventaire. On pourrait tester... Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Masque ça là? Je sais pas ce qu'il fait.
On peut pas aller là-dedans avec ça? Non. Si on essaye le masque de... ça, là? Non plus. Si on essaye le masque de... bah c'est tout. Ça, ça fait rien, ça. Les... ah, le langage des pierres. Mais y a pas une pierre. C'est chelou. C'est un peu chelou. J'ai pas trop compris le concept. Pourquoi ne pas nous faire... le... j'ai pas compris. Mais bon. Alors. La boussole, ok. Alors. Ah, on est revenu là, d'accord. Super. On va juste prendre ça, là, ça, là. Attends, mais c'est naze. On n'a pas chopé de clé, on n'a rien chopé. On n'a rien fait au final. On a fait tout ça pour rien. Ça s'est fermé. On va aller en bas. Hein. Non? Non, apparemment. Il y a 4 donjons, Apollo. Hop, 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 soleil et soleil rouge. Ça me fait chier de refaire ça, en fait. Vous nous saoulez? On va pas se retaper ça. Qu'est-ce qu'on a raté, en fait? On va essayer là. Ah merde. Donc là il y aura une pièce par là-bas. Par là là. Ah bah elle est fermée. Qu'est-ce qu'on a pas fait? Il nous faudrait une clé en fait. Faut qu'on chope une clé ici. Hein. C'est forcé. Alors, il faut comprendre ce qu'on doit à faire. Est-ce que on peut appuyer dessus comme ça? On est d'accord que non, hein? Non, on peut pas. Super. Ensuite. Si on remonte là, on a accès à des choses ou pas? Oh, oui, c'est une échelle ça. Non, c'est pas une échelle. Ah, là il y a de la lumière. Oh, là il y a un truc cool. Il passe là. Ah merde. Genre il grimpe pas là-dessus. Link il saute non? Par contre, Link il le fait le saut là. C'est pas un noob Link. Ah non. Sérieux? Oh.
Au grappin peut-être. Non, au grappin on peut pas y aller. Bon. Et là-bas du coup, il faudrait juste de la lumière pour pouvoir activer ça. Ah bah sinon, on peut pas faire passer une bombe au-dessus là. Genre comme des gros tricheurs. Attends, je vais voir si on peut balancer une bombe au-dessus, mais ça m'étonnerait. Oh. Oh bah si. On a un coffre de l'autre côté qui va débarquer. Il y a peut-être une clé dedans. On va aller voir de l'autre côté. On peut, si on peut y aller. Il y a des gens qui se plaignent qu'il n'y a que 4 donjons de Breath of the Wild, mais c'est pareil dans Majora's Mask, ils sont débiles. Oui, mais les donjons de Breath of the Wild... Si tu les fais pour la première fois, tu peux les bâcler quand même. Bah, niveau difficulté, il n'y a pas grand chose quoi. Bon, bah, il est brainfuck en fait. C'est ce que t'as pas sur... Bah si, il y a du brainfuck dans tous les Zelda. Mais c'est surtout certains donjons, souvent c'est les donjons de l'eau qui sont un peu... Bon, comment on remonte? On peut pas remonter? C'est mal foutu ça. On se fait tirer dessus là? Ah non. Ça m'embête un peu. Mais pourquoi c'est pas possible là? Pourquoi on peut pas remonter? Comment on est censé faire dans la vraie vie? Ah si, si on fait un saut de... Attends. Comme une autruche. Merde. Voilà. Bah du coup on va pouvoir faire ça de l'autre côté. Pour appuyer sur le bouton qui est là. Voilà. Ok. Si j'en descends. Ah, ça reste actif, nickel. Mais moi, par exemple, je me plains pas car j'ai eu une telle satisfaction quand je les ai fait, surtout Rudania. Ah, mais, moi je comprends pourquoi les gens ils se plaignent des jeux vidéo, il y a rien à se plaindre. Hein. Il est très bien Breath of the Wild. Les gens ils aiment bien se plaindre. Du coup qu'ils se plaignent. Et bah vu qu'on a une clé, on va peut-être l'utiliser. Parce que là ici... Oh, bah si. Attendez. Il nous faudrait le... Comment on pourrait aller de l'autre côté? Oh, merde. Voilà. Ça va où ça? Ah mais c'est cette pièce là, d'accord. Qu'est-ce qu'on voulait faire nous? Bah je pense que... On va retourner là. Oui et non, les donjons sont plus complexes et longs par rapport à Breath of the Wild. Enfin, moi je préfère Breath of the Wild, ça me saoulerait un donjon aussi long MDR. Bah oui, c'est vrai que les donjons n'ont rien à voir. Mais après oui. Moi je les trouve cool hein. Les donjons Breath of the Wild au final ils sont pas si simples hein, quand tu les fais pour la première fois. Surtout certains, enfin ils peuvent te faire réfléchir des trucs ils te mettent la tête à l'envers quoi. Après quand tu les as déjà fait, tu comprends un peu la mécanique et enfin, moi mon cerveau s'adapte bien plus facilement à comprendre comment fonctionne le donjon, même si ça fait longtemps que je l'ai pas fait et que je m'en souviens plus du tout. Pas plus du tout. Ouais si, je m'en souviens plus au bout d'un moment. Bon, on va aller par là. On va aller là, non? Peut-être. Peut-être qu'on irait bien. Attends. Non, c'est bon. Bon, on va là-bas.
Moi, je galérais jusqu'à la quatrième fois que je l'ai fait, Naboris. Ça se comprend, les développeurs ont voulu d'abord mettre en avant la liberté dans les donjons. Quand j'ai joué pour la fois... Après, ils pourraient faire des donjons aussi compliqués que cela. Hein. C'est pas parce que... Mais c'est vrai qu'il y a la liberté de faire dans le sens que tu veux le donjon. Et ils voulaient pas perdre, ils voulaient pas perdre ce qu'ils avaient mis dans Breath of the Wild, qui est justement la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. Donc du coup, le système de modules, ça paraît logique. Après, ils auraient pu mettre 15 modules ou 1200 modules dans chaque donjon. Mais ça aurait été un petit peu casse-couille, je crois. Le concept de 4 modules plus un boss, en vrai, ça va. Mais clairement, Breath of the Wild n'est pas basé sur ces donjons. Même si les donjons, je les trouve quand même assez intéressants. Ça, on fait comment déjà? Faut taper dessus en mode Goron, c'est ça? Est-ce que empiler les uns aux autres? Oui. Ok. Ok, j'ai pas trop compris ce qu'on vient de faire. Ah si, c'est pour mettre de la lumière. Du coup, on va pouvoir faire... non, plutôt peut-être ça. Non mais... Ah, c'est bon. Ok. Ça, c'est fait. Oh là, ça va être un cancer, ça. Je le sens mal. Ok. Ok. Alors. Oui, mais ceux de Breath of the Wild sont nuls. Ils ont la même mécanique. Je reconnais un bon Zelda quand tu casses la tête à les faire. Pas que Breath of the Wild sont mauvais. Bah... C'est un peu paradoxal ce que tu dis. Tu dis que Zelda, un bon Zelda, c'est un jeu où tu te casses la tête à les faire, et au final, tu dis que Breath of the Wild n'est pas mauvais. Alors que tu dis que tu te casses pas la tête à les faire, les donjons. Ça a pas trop de sens. Donc, faut faire comment? Faut viser. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est débile. Mais ce concept-là, je comprends pas. Mais casse-toi, toi! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Putain, mais c'est de la merde! 2, 3, ok. Mais putain, c'est nul à chier. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Ça marche pas. Ça marche pas, putain, on est trop proche. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Putain, mais ça vise mal! C'est casse-couille! J'ai que ça à foutre là! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ok, vite, 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 vite! Oh genre, mais nique ta race! On recommence! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Là, on a réussi, là. Voilà. Ok. Là, le coffre. Oh, on avait un coffre ici. Nickel. Il y a un truc qui pop, qui explose. Qui explope. Une fée. Bon, les fées, c'est pas maintenant qu'on va les faire, hein, je vous rassure. Bille rouge. Ah, mais casse-toi, toi! J'ai retrouvé ma cartouche de Majora's Mask. Je l'avais paumée. Oh, nice. Nice, nice, nice. Masque... Hop là. Alors,
C'est des vents ascendants, ça? Oui, hein. Du coup, techniquement, on peut aller jusqu'au bout comme ça. Oh. Attends. Voilà. Alors, est-ce que c'est une connerie d'avoir fait ça? Je sais pas, je pense. Parce que là, on va devoir retomber. Vous pensez qu'on, si on fait un saut, on est bien, là? On essaye 1, 2, 3. Voilà, c'est cool, c'est bien, ça. Ils ont rendu le truc bien plus sympa. Ok, en dessous, on peut pas trop y aller. Bon, on va aller par là pour l'instant. Salut Zelda, comment vas-tu? Ah, le mini-boss, donc. Qui dit mini-boss dit objet. On va pouvoir avoir... Oh, mais c'est lui! Yeah. Je suis le roi des méchants, les méchants. Je suis pas gentil. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on s'habille comme lui. Attendez, hop. Oh le bâtard. Bon. On va peut-être trouver une autre technique. Peut-être ça, non? Deuxième phase. La défaite a un goût amer pour celui qui se croyait invincible. Tu as été un adversaire valeureux, je meurs par ta force. Je tiens ma révérence en ouvrant mon esprit et mon cœur. La sagesse s'échappe de mes lèvres. Si ton trait de lumière divine atteint l'emblème rouge qui brille à l'entrée du temple, l'ordre des choses sera bouleversé. La terre née dans le ciel trouvera son reflet dans la lune née dans la terre. Alors attends. La terre née dans le ciel, donc la lune... Trouvera son reflet... Ah bah non. La terre née dans le ciel. Trouvera son reflet dans la lune née dans la terre. Attends. Ah du coup, oui. Bon, en gros, nique ta mère. Souviens-toi de ces mots, je meurs sans laisser trace. Bon, je pense qu'il y aura un truc de reflet, hein. Super, on a compris. Car telle est la loi des garons. Non, la loi des gargouignes. Salut Bad Bergeon. En mojo link. Il est vraiment moche. Oui, si tu veux. La loi des Galos, ok. Ah, il y a un ban à faire. Super, du bot. On va bannir Karl Marx. Bannir, bye bye. Je vais grailler mon dessert, bah bon Apollo. Elle renferme la puissance de votre lumière sacrée. Ok, flèche de lumière qui éclaire votre chemin et repousse le mal. Bon, super. Et du coup, on vient d'où nous? On va à la suite. Où est-ce qu'on va l'utiliser du coup? Il veut nous faire un exemple d'essai? Ah, j'aurais peut-être pas dû aller là. C'est peut-être une connerie. Voilà, là pas du gain comme d'hab. Ça c'est un grappin, ok. Donc quand le niveau sera retourné, on aura le grappin ici. On peut remonter quand même. Peut-être là, non? Oh mais merde! Scarabosse là. Oh le bâtard. Je voulais faire une attaque aérienne, j'ai pas réussi. Mais les bots ils viennent d'où? Bah de partout. Ils viennent d'où? Ok. De fort lointain.
Ils viennent d'où les bots? Salut, t'es un bot, tu viens d'où? Ça te dirait, on s'échange de 06? Salut, je m'en vais, bah salut, je m'en vais. Eh bah salut. Va-t'en. Alors. Le boss n'était pas éclaté, mais on a éclaté le boss. Nuance. C'est un méchant ça? Non, c'est pas un méchant. On va lui mettre des flèches de lumière, non? Ah merde. Bah le bâtard. Bon, c'est pas ça la technique. Je sais pas ce que c'est la technique. Comment on passe derrière lui, cet enfoiré? Peut-être pas des flèches de lumière qu'il veut. Des flèches d'eau peut-être, il aime peut-être pas l'eau. Ok. Je trouve ça dommage qu'il ait enlevé la roulette sur Breath of the Wild car ça aurait pu être utile. Déjà tu peux sauter, c'est déjà pas mal. On peut pas sauter dans Zelda, normalement. Bah, du coup je retrouve avec mes 3 briques, mes 3 3DS de collection, aucun moyen de les démarrer. T'as 3 3DS toi? Dis donc, je fais des collections un peu chelou. Hein. Alors. Ah super. Waouh. La lumière. Donc ça ouvre un coffre au plafond. On a toujours pas trouvé comment monter au plafond. Ok. Y'a rien là, comme... Y'a rien à activer. La flemme de rouvrir la porte, hein, cette porte-là, elle m'énerve. Il y en a 3 comme il y avait 3 rechanges quand sa mère lui confisquait quand il était petit. Ah bah oui. Alors, ça c'est à quoi elle me servait? Oh! On l'a déjà activé celui-ci. Oui, c'est déjà activé ça. Laisse tomber, on se barre. Alors. Non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir. Une 3DS normale, une 3DS XL. Ouais, pour dire à tes parents... Ouais, t'inquiète pas, c'est une nouvelle console. Ouais, t'inquiète pas, c'est les mêmes jeux, mais c'est une nouvelle console. Ça t'a eu... Pigeon, tes parents. Tes parents sont les gros pigeons. Et il va... Oh, j'ai hâte d'avoir le dernier masque, voir ce qu'il donne. Bon, on traverse. Ah, on irait bien au fond du gouffre en mode Goron, non? On essaye. Ah bah tiens. Super. Bon c'est forcément une fée ça. Je vois pas comment ça pourrait être le truc normal ça. Ah. D'accord, super. Ah j'ai pas été assez rapide c'est ça? Bon c'est forcément une fée du coup. C'est une course de vitesse.
Ok. Ce qui nous donne accès à là-haut. Par contre, les objets de donjon de Majora's Mask sont ultra répétitifs. Comment ça répétitif? Ah, tu parles des flèches? Non, moi je trouve que ça va. Il y a des masques aussi. Les masques, ils changent complètement le gameplay. C'est surtout ça, le gameplay. Là, j'ai retrouvé mon chargeur de DS. Oh, quel sauvetage. Allez, crève pas, crève pas. Bon, dommage, on est en train de faire des faits alors que ça sert à rien de les faire, mais bon. Pas non plus hyper grave. Il nous reste combien? Ça se trouve, en un jour, si on est des boss, on peut finir les faits, mais ça m'étonnerait qu'on arrive à finir les faits en un jour. Hein. Surtout que dans le chat, ça disait que ça avait l'air d'être hyper dur, les faits. Bon, j'aimerais bien pouvoir le retourner, ce putain de donjon. Hein. Là, il y a quoi? Ah, il y a ça. Vous pensez que si on balance une bombe, ça marche? On essaye, hein, de toute façon. Ah merde, c'est pas ça que je voulais. Ok, c'est pas comme ça qu'on va le faire de toute façon. Il y a un scarabos là. Ah bah si, ça marche. Mais c'est... Est-ce que c'est fait exprès ou pas? C'est un bug du jeu ou c'est fait exprès? On est censé le faire comme ça? Ils sont cons, hein, si c'était pas fait exprès. Bon, une fée en plus. Facile de kill au grappin au final. Les flèches, c'est useless. Bon, je vais quand même mettre le masque des fées pour vérifier s'il y en a encore ici, mais je pense pas. C'est bon. Donc ça, on a déjà fait. Ah merde. Bon, comment on va faire? On s'est fait shooter. Ah le bâtard, arrête de nous shooter. Ça, ça a déjà été fait. Mais... Ouais, on avait vu d'autres des soleils, non? Faut qu'on, juste qu'on aille trouver les autres soleils, mais je sais pas où ils sont. Bah. On va retourner dans cette salle là-bas. On essaie d'aller au bon endroit. Bon, je crois que s'il fallait aller là... Ah si, je l'ai. Je crois qu'il faut passer par en dessous. On va pouvoir débloquer les soleils. Ah, c'est pas cette salle-là. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Non, c'est pas là. C'est Zora. Masque. Pom pap pop 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 pop. Il rampe pas par là. Pop 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 pop. Alors là, il va nous falloir du soleil. Est-ce que une flèche de lumière, ça crée du soleil? Si ça crée du soleil, on est cheaté.
Flèche de lumière. Le grappin, on peut le remettre là, je pense, comme ça. C'est cheaté. C'est vraiment trop cheaté. Bon, tant mieux, hein. On va pas se plaindre. Bon, ça, on s'en tape en vrai parce qu'on l'a déjà fait. Ce qu'on va faire, c'est plutôt, c'est. Ah, peut-être tuer ces monstres-là en vrai. Ça a peut-être des faits. Ah, ah, le bâtard. On peut pas grimper ici, c'est trop haut. Mais c'est quand même bizarre qu'il nous empêche de grimper. Ah, il faut y aller en mojo. C'est un peu bâtard qu'il nous oblige d'y aller en peste mojo. Ça fait encore des masques en plus à mettre. Peste mojo, on va la mettre là. Hop. Non bah ça sert à rien. Bon super, ça sert à rien. Je sais pas si on peut le tuer mais j'ai pas réussi à le tuer mais... Alors par contre le backseat s'il vous plaît, faudra falloir complètement arrêter, c'est un poil relou. Si vous me dites comment jouer, autant que vous y jouiez en fait, hein, que vous regardiez pas le live. Hein. Bon, c'est juste une fée, dommage. Peut-être cette pièce, si on y retourne, on va peut-être découvrir des nouveaux trucs, mais je crois pas. Enfin, je pense pas qu'il y ait autre chose. Ah, ça on l'a pas fait. Salut Spence! À quoi sert les fées? C'est pour obtenir un cadeau. Il nous faut 15 fées pour avoir un cadeau, mais il faut qu'on les chope tous d'une traite, du coup, bah... Ça va pas non plus... On les aura pas aujourd'hui, hein. Là, il nous reste qu'un jour. Là, on découvre le donjon pour l'instant. Mais on l'a toujours pas retourné, hein. Ou je sais pas ce qu'on va foutre avec ce donjon-là, mais... Moi, je vais aller au plafond, hein. On a toujours pas été au plafond, putain. Mais merde. Bon. Il y a encore un ennemi là, il est où? Pourquoi on l'entend mais on le voit pas? Là. Oh c'est juste des piafs, hein, il repop. Imagine la grande fée, elle t'offre un sub. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas où aller en fait. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Bon, on va aller de l'autre côté, avec Anzora. Là, il n'y a rien ici. Il y a une porte, mais elle est à l'envers. Là, c'est à l'envers. Ah, là. Bon, bah là. Non, mais ça sert à rien d'aller là. Ah, peut-être que... Je crois qu'on avait vu un truc là-bas l'autre fois. Là, il y a une flèche de lumière à caler ici. Mais il nous faudrait moins d'eau, en fait. Il y a beaucoup trop d'eau pour pouvoir faire ça. Comment on... Si on remonte à la surface, on arriverait... Comment on pourrait la décocher, la flèche, ici? Si le monde était inversé... Si c'était inversé, je pense qu'on pourrait. Ah, les plateformes, elles sont faites pour être vues dans l'autre sens. Ok. Il faut juste inverser tout ce bordel. J'ai rien qu'on découvre comment inverser avant de recommencer le jeu. Parce que ça va être vraiment... Enfin, avant de recommencer le donjon, parce que c'est quand même un truc primordial. Est-ce que je pige pas? Et salut Horizon. Et salut Biagio. On a un nouveau follow d'Horizon. Merci Horizon pour ton follow. Bienvenue à toi. Si tu veux savoir... Bah là, je suis en train de découvrir Majora's Mask. J'ai jamais fait le jeu.
Et là, j'en suis au quatrième donjon. Et et je vais essayer de le... Non, ça, c'est pour le coffre. Je vais essayer de le finir. Enfin, le finir. On n'y arrivera pas tout de suite. Il va falloir recommencer juste après. Il y a une pièce par là. Mais je sais pas comment on y accède. Peut-être qu'il faudrait investiguer un peu plus. Parce que si on regarde la carte... il y a deux pièces qu'on n'a pas visitées ici, apparemment. Et il y a celle-ci qu'on n'a pas vue. Et il y a un coffre dedans. Attendez, et celle-ci, on l'a pas visitée, si? Celle-ci non plus, je... Attends, non, bah si, on l'a vue. Donc pour moi, il faudrait qu'on aille dans cette pièce-là. Ça se trouve, c'est un autre truc. Et c'est peut-être là qu'on va pouvoir inverser la map. Mais j'ai l'impression que c'est... Cool, en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos théoriques sur ce jeu. Je trouve tellement attrayant que ça devient fascinant. Alors ouais, je connais pas le jeu et j'ai envie de regarder justement les théories et les comprendre. Et c'est pour ça que bah, du coup, j'ai fait le jeu là pour pouvoir m'intéresser encore plus en détail à tout ça. Enfin, pour vraiment m'intéresser aux théories sur ce jeu. Et on essaie de le faire à fond, faire toutes les quêtes secondaires, essayer de tout comprendre, ce qui se passe, pourquoi. Et voilà. Là, on est en plein donjon du coup au niveau... Oh ! Ok. On va tirer une flèche ici. Et là, on va le retourner, le donjon! On a enfin trouvé ça! Et casse-toi, toi! Ok. Tu vas fermer un œil. Ah, c'est juste un coffre? Oh non, c'est juste un coffre. Fais chier, j'ai cru qu'on allait trouver la solution. Mais ça va être juste une fée, comme d'hab. Oh, mais sale bombe! Salut Amaury, bonsoir. Bienvenue sur la meilleure chaîne Zelda, merci Osun. J'arrive pas à trouver comment faire quoi. Oh, quel style. Alors, il y a quoi dedans? Une fée. Ok, super. C'est chiant parce qu'on commence à avoir plein de fées et on a toujours pas fait la moitié du donjon. Enfin, on a toujours pas retourné le truc là. C'est relou. Ça se trouve, faut ressortir pour le retourner, non? Mais comment on pourrait le retourner? Merde, je fais pas du tout ce qu'il faut faire. C'est hyper chiant. Enfin, c'est pas hyper chiant. Si, c'est hyper chiant en vrai. On a fait toutes les pièces? Je vois pas ce qui nous manque. Si on revient en arrière, je vais voir où est-ce qu'on arrive. Bah on va... J'ai l'impression qu'il va falloir le retourner. Soit on retourne le donjon, soit on marche au plafond. Mais je pense pas qu'on puisse marcher au plafond. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a toujours pas utilisé notre champ pour laisser les objets sur place. Ah, et ça là. Ça aurait été trop bien qu'on le retourne comme ça, mais je crois pas. Ça n'a pas l'air d'être ça. Re l'Exélis, rebonsoir. Le temple de la forteresse de pierre. Bon. Mais cassez-vous! Bon, on refait le truc. Bah non, mais ça sert à rien de repasser par là. Essaye de retourner ton écran MDR. On va essayer. Attendez, c'est... Non, ça c'est le bloc. Casse-toi, toi. Il y a rien. Il y a vraiment rien ici. Hein. On a déjà tout fait. Mais cassez-vous! Ah, mais ça! Ah, on peut pas l'ouvrir tant qu'on est... Parce qu'il est beau ce coffre là, il y a quoi dedans à votre avis? Pour qu'il y ait un coffre rouge comme ça? Ça c'est... Hop là... Ma dignité peut-être? Ah, il y a peut-être ta dignité dans le coffre. Bah attends, on va l'ouvrir du coup pour être sûr. On peut pas l'ouvrir. Bah peut-être que ta dignité est bien cachée on va dire, enfin elle est bien scellée.
Ah, la clé du boss. Bien vu, Miyagio, c'est sûrement ça. Bon, ça nous rassure. Bon. Bon bah, on y retourne, hein. On refait un tour. Mais si à la fin de ce tour, on n'a pas trouvé, ça va commencer à me gonfler. Allez, casse-toi ! Là, y a rien. Mais casse-toi, sale chien ! Ok. Où est-ce qu'on pourrait viser de la lumière ici ? Au plafond ? Non. Pom, pom. Pom, pop, pom. Ça donne quoi ici ? Bon, on retourne dans cette pièce-là. On sent la rage venir. Bah c'est juste, on trouve pas ce qu'il faut faire quoi. Y'a quoi au plafond? Ouais ça on a déjà fait. Hop là. Donc là y'a rien, y'a rien, y'a rien. Casse-toi toi. Tête d'autruche. Là y'a R. Au plafond y'a rien du tout. Bon on sort. Et on arrive où? Ici. Faudrait qu'on passe là, là. Bah non, mais du coup... Non, mais on tourne en rond. Comme des gros bouffons. On repasse en peste. Attends, faut qu'on trouve la solution. C'est pas possible. C'est quoi le nom du temple de pierre? Un truc comme ça. Là, on a fait tous les trucs. On a chopé les fées qui étaient en bas. La fée qui était en bas. Enfin, qui était pas en bas, mais où il fallait des trucs de Goron pour l'avoir. Et là, on a fini. Alors, je vais regarder si la grande fée, elle est là. Pas la grande fée. S'il y a besoin d'un... Si la masque des fées nous indique qu'il y a quelque chose. Non, on a pris toutes les fées qui sont là. Ça sert à rien de prendre les thunes, on est déjà full. Mais je les prends quand même. Alors. Là, c'était la salle du boss. Et là, on revient dans la salle principale, c'est ça? Mais il y a bien une flèche de lumière à caler quelque part, là. Forcément. Ici, là. Au plafond, en bas. Il est relou lui. Voilà. Oups. Bon, là il y a rien. Et ici, il y a bien une flèche de lumière à mettre quelque part dans cette salle principale là. Non. Non. Et là on revient au début. Ça m'énerve. Ça y est, ça me gave. On tourne en rond comme des gros cons. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bon, la lune, elle arrive. Bon. Faudrait être logique. On est censé faire quoi? Le temple devrait se retourner. S'il se retourne, qu'est-ce qui se passe? On va regarder au plafond. Là, ça serait le sol. Là, en fait, le donjon, il serait à l'envers. Mais tout serait à l'envers. Mais du coup, faut être en dehors du donjon pour le retourner. C'est forcément ça. Je vois pas pourquoi est-ce que... Oui, on est obligé de le retourner en dehors. Et comment on le retourne?
peux pas faire le tour. Ah mais oui d'accord, c'est ce qu'il avait dit. Non c'était pas flèche de lumière, on l'a fait la flèche de lumière ça marchait pas. Ah bah quoi que si. Bon bah c'est marrant parce qu'on l'a fait tout à l'heure ce truc là. Mais on avait plus de magie. C'est parce qu'on avait plus de magie que ça avait pas marché. Du coup c'est bon. Mais du coup le bloc est à l'envers. Du coup faut remonter. Bon en gros on l'avait fait. Oh ils sont sympas par contre, ils nous l'ont remis bien. En gros je l'ai fait juste, bah, c'est le premier truc qu'on a fait tout à l'heure sur le truc rouge vu que c'était les énigmes qui étaient racontées mais ah. Mais du coup, et bah vu que je mange une crêpe en forme de logo Discord, elle est trop bonne. Oh stylé, une crêpe Discord. Et bah nickel. Bon on sauvegarde et on chope toutes les fées, ça vous va? Je pense qu'on avait déjà tout, chopé toute la moitié là. Coffre, une fée. Forcément, il y a une fée. Voilà, plus que 5. T'as rien suivi ce soir? Eh bah, sache que c'est pas simple à comprendre. Bon, si, ça va. Mais là, du coup, on a fait le donjon à l'endroit, maintenant on le fait à l'envers. Du coup, tu vas découvrir tout un nouveau truc comme nous on a découvert. Tu vois, par exemple, on est déjà passé là, mais c'est dans l'autre sens. Alors. Qu'est-ce que je voulais, ça? Et là, ça va commencer à être un peu tendu du slip, puisqu'on a une demi-journée pour essayer de choper les fées, parce que j'ai pas trop envie de tout recommencer, mais on va devoir tout recommencer, c'est à peu près sûr, mais... Alors... Ok, on a activé quoi? J'ai pas vu. Vous avez vu où la caméra elle s'est mise? J'ai pas vu du tout ce qui a été activé. Je regardais le chat. Non, c'est pas ça qu'on voulait. Si, c'est ça. Cinq en 12 heures, bonne chance. Ouais, c'était bien ça. Nickel. Bon, encore une fée, là. Merde. J'irai bien plus bas, moi. Ah, on va aller là, plutôt. Ah bah. Casse pas les couilles toi. Mais arrête. T'as le noob, va. Yeah. C'est mon chéri qui l'a fait, du coup je suppose qu'il a pas fait exprès. La crêpe, la musique, la musique est cool, oui Alicia. En un peu et un peu de hauteur. Au moins qu'il veut te faire une demande en ami. Ah oui, c'est peut-être une demande d'ami qu'il veut te faire. Peut-être. Peut-être, peut-être. Hop là. Oh. Waouh. Encore un coffre. Oh. Mais ce serait pas... Alors, à votre avis, si le coffre qu'on avait vu dans la salle magique, c'était le coffre de la... De la clé du boss. Ah, quel est ce coffre-là? Attention.
C'est une petite clé, tout simplement. Nickel. Et bah, on ira après dans la porte tout en haut. Là, pour l'instant, on va continuer. Peut-être pas maintenant. On va se mettre en Zora. Masque. Y'a que en Zora que je sais tuer ces trucs-là. On saute ou pas? On essaye? D'accord, ça sert à rien. C'était... Bon. Bon bah super. Hop là. Ah, je vais essayer la... Ouais. Alors, oh, 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 oh. Non, 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 non. Si, yes. C'est trop bien, les bombes, elles sont pas trop méchantes. C'est pas comme les araignées qui t'empêchent d'avancer. Là, moi, les bombes, même si tu te la prends, c'est pas trop grave. D'accord. Ah merde, c'est pas ça que je voulais. Juste ça. On va le retourner encore. Trop bien. Oh non, on est mort. Bon, c'est bon. Eh bah nickel, on passe en Goron. Ah mais... Eh attendez, peut-être que là, si on se retourne ici, y'a pas un truc tout en haut là? Pourquoi il y aurait un truc au centre là? Ah non, c'est pour le faire demi-tour. Bon, allez, on fait demi-tour ici. Je viens de débloquer cette émote de Linel, je suis mort, il a l'air tellement moins badass comme ça. Bah, il a l'air... Oui, easy le Linel. On a un nouveau follow de Triforce, bienvenue à toi Triforce. Merci beaucoup pour ton follow. Bon, attendez, on va déplacer le bloc là-bas. Et est-ce que si on déplace le bloc, on n'y a pas moyen de le déplacer à un endroit où quand il va être retourné, il va arriver là-haut? Il n'y a pas un délire de ce genre? Apparemment non. Bon, il n'y a pas un délire de... Ah si! Si, si, il y a un délire de ce genre, puisque de toute façon, on pourra pas le pousser plus loin que là. Du coup, si on regarde à l'étage, ça va être relou. Attendez. Ouais, si, bon. On va devoir retourner le truc une fois. Casse-toi, toi. On a plus de magie. On a re de la magie. Ok. Là, on voit que Breath of the Wild n'a rien inventé. Hein. Les concepts de retourner des donjons, c'est vieux comme le monde. C'est marrant l'effet. Quand on voit l'effet de parallèle, enfin de l'effet 3D, on a l'impression que quand il se retourne, le rectangle, le carré, il est rectangulaire. L'effet de perspective est pas ouf. Je suis là depuis longtemps, mais pas sur Twitch. C'est cool ces streams. Ah bah je suis content que ça te plaise. En tout cas, bienvenue à toi. Ça se trouve, ça va pas te plaire longtemps. Ça se trouve, ça va te plaire que 5 minutes. Ah, attendez, je regarde bien là-haut. Non, c'est pas là. Merde, c'était où? C'était de l'autre côté? C'est là. On va bien le remettre, plutôt. C'est chiant parce que... Il nous reste quoi, là? Moins de 8 heures? Enfin, 8 minutes. 10 minutes, en gros. On retourne encore là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Là normalement c'est la fin. Et salut Flo le Pitch, bienvenue à toi Flo le Pitch. Hop, on termine ça et c'est fini. 1 et 2 et nickel! Alors, ça nous permet d'accéder à la suite. Je vais regarder le masque de fée parce que je suis persuadé qu'il y a une fée ici, c'est obligé. Mais pour être sûr, on vérifie. Et apparemment non.
Il n'y a pas de fée ici, ça fait grandement plaisir, ça sert à rien de chercher pour rien du tout. On peut pas monter? Ah si. Oh. Tu vois le planning, tu fais pour l'exclamation planning, Flo le pitch, tu verras les jeux auxquels on joue. Sur cette semaine en tout cas. C'est quoi ça? Ah le grappin, d'accord, ça c'est de la lumière. Oulala, on se fait... Ah mais c'est un boss? D'accord, j'avais pas grillé. Bon, on va le défoncer. Merde, merde, merde. Mais putain, on se fait violer. Ok, il fait le backlop. C'est bon, il est mort? Ok. Ça c'est fait, on débloque ça. Bah mon chat aime le Nutella. Mais attends, les chats, c'est pas... Si... Les chats, ils ont pas genre... C'est pas comme les chiens, genre, faut pas qu'ils mangent de chocolat? Non, si ça va avec les chats, c'est pas grave. On va grimper là. Franchement, F, pour avoir fait le donjon, tu arrives à le terminer sans remonter le temps, c'est un miracle. Non, mais je vais pas... c'est pas mon objectif, hein. Je pense bien que je vais pas y arriver. Douze fées, c'est marrant, hein, il nous en reste plus que 3. Ok. On le retourne ou pas? Non, on le retourne pas. On y va en mojo. C'est comme les chiens, tu peux les tuer en randonnant, mais en grosse quantité, ils meurent. Tu peux le randonner en grande quantité, ils meurent. Ouais, ça accélère le rythme cardiaque des chiens. Casse-toi. On va par là, non? On va voir ce qu'il y a. Oh le bordel ici. Oh mais il casse les couilles lui. Non 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 non. Allez. Ça, ils vont me saouler eux. Ok. Un coffre. Super. Ah mais faut juste lancer des bombes en fait sur eux, non? C'est pas genre un truc comme ça? Voilà. Non. Casse-toi! Ok, bon. On va faire un son. Moi, mon chien me mange l'oreille. D'accord. Mon chien a déjà mangé des chewing-gums alors qu'ils étaient dans un sac et il a déjà mangé des chocolats qui étaient dans une boîte en bois. Il a bouffé tout le bois du coup. Bon, il y a moyen de les tuer mais je sais pas comment on fait. Ah, c'est la clé du... C'est pas la clé du boss ça? Ou une mini-clé? Ah, mais casse-toi, t'es casse-couille. Faut qu'on apprenne à le buter en vrai. Ah, une petite clé, nickel. Bon, comment on peut le buter? On va prendre ça, 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 ça. Et on lui tire une flèche où, là? Ici, là? Ah bah c'est bon? D'accord, c'est juste ça.
Ah merde. Mais t'es relou, Link. Voilà. Bah pourquoi l'autre il est tombé et pas... Ah si, d'accord. D'accord. Ok. Ah c'est bon, on a tout tué. Non, il en reste un. Il en reste ? Ils sont tous morts, non ? Il en reste plus ? Il reste 6 minutes. Ah ! Ok, super, ça commence à être compliqué là. Un esprit ! Super ! On reprend le grappin. Alors. Tout... Alors, je comprends pas. Il y a une fée ou pas ici? On va tester. Hein. Au moins, on saura. Il n'y a pas de fée, donc ça sert à rien de chercher. Ici, du coup, on a récupéré la petite clé qui va nous permettre d'aller à la suite. Ok. On passe en mojo. Masque mojo. On va de l'autre côté. Hein. C'est d'où est-ce qu'on vient, en fait, à la base? De... Non, on vient de là-bas, on va là-bas. Alors peut-être que... On va plutôt aller par là déjà. Nickel. C'est ce que le vétérinaire a dit, sinon la lune s'écrase. J'ai pas compris le rapport avec tout ce que tu dis là. Ok. Un coffre au plafond. Non, c'est un champ. Je suis pas sûr que ce soit utile ça, mais bon. Après les 5 minutes, la lune s'écrase. Et du coup, on meurt. C'est la fin du monde, quoi. C'est le concept du jeu, quoi. Oh, qui a posé cette question ? Biagyo. Je pensais que Biagyo, toi, tu suivais le live depuis pas mal de temps, mais peut-être pas. Du coup. Eh bah, on se bat. Ah ok, faut qu'on passe entre les deux trucs, là. Bon, ça passe, là, non ? Yes! Ça, je kiffe. Ensuite. Voilà. Et maintenant, on traverse. Let's go! It's go, go, go! Je l'aime bien, ce donjon. Je le préfère à l'autre, en vrai. Vu qu'on a fait juste avant. C'est con d'avoir des rubis aussi gros alors qu'on est full. On est full rubis déjà là. Ah un boss, nickel. On a plus de magie, on a plus de magie. Ah, on est censé le tuer comment du coup ?
Merde. C'est le faucheur, tes attaques ne le toucheront pas tant que tu ne seras pas débarrassé de toutes les petites chauves-souris. On va crever. On va crever comme des noobs. Bon bah non, on n'a pas crevé. Ah. Easy. Tu as fait toilette princesse? Ouais, j'ai fait toilette princesse. Triforce. Bah du coup, il y a plus rien ici. Et bah on va à la suite hein. Ah merde, c'est quelle porte? Si c'était par là. La clé du boss. OK. Super, on a la clé du boss. Il nous manque combien de fées du coup? Il nous manque une ou deux fées? La clé du boss, on s'en tape puisqu'on va pas faire le boss maintenant, on n'a pas le temps. Salut Luculouse. Bon, l'avantage c'est qu'on a ça déjà. Donc la clé du boss, mais du coup elle ressemble pas du tout à l'autre truc. J'ai même pas où aller la salle du boss. Ah, faut qu'on aille à droite apparemment. The Wind Waker en live? Bah sûrement. Wind Waker, il y a des chances qu'on le fasse. On va tous les faire en vrai. On fera toi une princesse aussi. On fera... Mais le prochain... J'ai envie de faire Minish Cap, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Merde, c'est complètement con ce que je viens de faire. On va crever. On est mort. Ah non, ça va, il nous reste un peu de vie. On va crever ou pas? On perd combien de vie quand on prend la bombe? Ok, juste un quart. Oh sérieux? On laisse tomber. Voilà. Allez, allez. Ok. Bon, c'est un peu la merde là. C'est con qu'il nous reste deux fées et qu'on soit pas capable de savoir où elles sont. Ah oui, il y a Skyward Sword à faire aussi. Mais peut-être qu'on va attendre qu'il fasse un remake. Sur une vraie console. Si on saute là-dedans, on meurt, vous pensez? On essaye? Ça coûte quoi? On perd combien de vie si on meurt? Oh, vas-y, on essaye. Bah, quoi que... Ouais, on essaye. On meurt. Est-ce qu'on... C'est pas game over? C'est pas game over. Bon, attendez. Je vais peut-être utiliser une fée. Pour être sûr de pas crever. Voilà. Alors, direction là. On peut pas remonter? Ah si, il y a un grappin. Il y a forcément un grappin. Ah non, il n'y a pas besoin de grappin, c'est ça. Yeah. On vient d'où? C'est là qu'on veut aller? J'en ai aucune idée. Éclipse de lune dans 2 minutes. Oh. Merde, putain, on est revenu dans la même salle.
On a plus de magie. Sur ma calculatrice au lycée, j'avais mis Minish Cap et les deux oracles pour les heures d'études obligatoires. Ça m'a bien épané. Ah oui, nice. Quand Eve sautait dans le trou, c'est comme si... Bon, on se réveille un matin, on s'est dit, est-ce que si tu sautes dans un ravin, je meurs. On savait pas ce que c'était. T'as déjà vu un ravin qui jette de la lumière? Bon, c'est au-dessus, là. Ok. Bon, je pense qu'on est pas du tout dans le bon sens. Il nous manque un truc à faire. Bon, c'est pas grave. On le refera de toute façon le donjon dans 5 minutes. On passe en Goron. Bon, limite, et on recommence maintenant. Les fées, on dit que c'est mort. Il nous reste combien de fées, là, à voir? Si je prends la carte... Ah, il y a cette zone-là à faire. Et il y a forcément les fées là-bas. Bon, laisse tomber. Il y a 12 sur 15 fées. Il nous reste 3 fées. C'est impossible en 2 minutes. Du coup, on va revenir dans le passé. Tout de suite. Non, pas tout de suite. On retourne à l'entrée et on fait le donjon en un jour, on le bâcle, non? Ça va être tellement rapide. Ok. Mais il y a toute la montée aussi qui va être relou. On se re-TP. Ok. Bourg-clocher. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Let's go to the bourg-clocher. 21h30. Bah, hey, il y a moyen qu'on finisse le donjon du coup avant minuit. Il y a large, je pense. Là, le donjon, on le connaît bien, là. Enfin, on le connaît bien. On connaît pas encore tout par cœur, mais il reste encore un petit peu à découvrir. Ok, c'est bon. Et bah... tac, on revient dans le passé. Champ du temps. Il y a aussi une dualité dans ce temple. Temple inversé, soleil inversé sur la porte, etc. Le boss est littéralement une dualité lui aussi. D'accord. Ah oui, t'as bien avancé. Ah oui, ta box a craché, Kepler. Oui, bah là, tu parles, on n'a pas bien avancé. On se retrouve au début du live. Au même état qu'au début du live, sauf que bah, la différence, c'est qu'on a les flèches de lumière. C'est juste ça.